Bob. Alors il y a tout le monde qui est plus ou moins sur un snake en train de penser très fort à ce que tu as mangé. Ouais, je pense à beaucoup de choses là. Ouais, ouais apparemment. Oh putain le mec. Bob, cours. Tu touches pas à Bob. Laisse Bob tranquille. Moi à midi, c'était un bol de céréales là. Et en même temps, si tu veux te lever. Je sais pas, je me suis levé relativement tard. Non, Davis, il pleut en plus, c'est non. Cours. Non, Bob. Mais il l'a cherché. Il l'a cherché. Ah ouais, bah ça, ah c'est oui. Normal ce genre de réaction. Non, pas du tout. C'est peut-être la pluie hein, qui fait cet effet là. Ouais. Ah ouais, à ce point là. Hey, salut Bob. Normalement, alors c'est pas du tout normal, Bob. Faut peut-être que tu voyes un médecin parce que normalement, quand tu te prends un coup de taser, t'es plutôt à moitié assommé pendant quelques minutes. Hein. Ça réveille pas du tout, normalement. Bah là, on a faible tension, ça va. Je sais pas, il aime peut-être ça. Ouais, il est peut-être masochiste, oui, effectivement. Ouais, chacun son truc. Ouais, il bande, hein. Ouais, il bande, hein. Ah ouais. Attends, si t'en demandes, hein, Bob, il faut le demander, hein, si t'en demandes. Si tu veux, j'ai un poids américain. Ça fait trop mal. Oui. C'est vrai. Je vais déjà aller poser mes merdes. Bah pose-toi toi tout seul. Ah, tu t'es posé dans le meuble tout seul? J'ai dit pose-toi toi tout seul. Ah oui, c'est vrai, il faut l'enlever. Oui, oui, si, il faut l'enlever normalement. Adam? Sors de chez toi. Mais du coup, il faudra refaire la tenue, quoi. Ouais, mais c'est chiant. On va éviter les problèmes de la main, quoi. Bah, le collier, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est symbolique. Ouais, ça fait un moment où, genre, en gros, nous, on avait le collier. Eux, ils se sont dit, ah tiens, c'est pas mal, ça. On va faire pareil, puis on va leur dire d'arrêter de le mettre. En gros, c'est ça. Parce que c'est Miguel a déjà demandé qu'on l'enlève, on s'en est battu les couilles. Oui, encore au débat, il avait demandé qu'on l'enlève. Et vu qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas la force de frappe nécessaire pour... Et en même temps, ils sont vendeurs d'armes, donc... Oh, mais ça me bat les couilles, eux, ils travaillent avec la péniche, non? Ouais, mais oui, t'as quoi résister à un VDA ancien wrestler, toi, pour te permettre de lui sortir ça? Voilà. De quoi? On peut pas rivaliser. T'as l'effectif Ah non, mais oui, non, mais qu'on puisse pas rivaliser, mais en soi, c'est pas avec eux qu'on travaille ou quoi? Oui, ah, il a droit avec des. Mais c'est vrai que demain. C'est vrai que demain, bon, ils arrivent avec un lance-roquette, on fait rien, quoi. C'est pas faux. Oui. Donc voilà. Donc il faut qu'on trouve un nouveau collier. On ne veut pas de collier tout court pour l'instant, pas les couilles. Est-ce qu'on peut mettre des colliers à l'IG West Coast? Non. Non. Ouais, parce que Sam, j'ai dit non. C'est bling bling. C'est un nouveau collier parce que ça fait vide sans le collier. Davis, tu vois Barracuda dans l'agence de risque? Barracuda! Bonsoir, bonjour. Oui. Bonjour. Voyons, Lady, comment tu vas? Tu me fatigues déjà, toi. Oui, il sait qu'il faut courir, c'est beau. Oh putain, c'est quoi ce signal? C'est qui qui s'est pris une bof? C'est qui qui s'est fait tirer dessus? C'est le poteau. Ah. Bah ouais. Vraiment là? Elle a tiré dans le poteau. Oh
va, hein. Mais est-ce que c'était voulu de tirer dans le poteau? Tu veux pas d'enfant, mais tu as envie de vouloir me... Ouais, ok, hein. Bah, la castration par balle, pas ouf. Ouais, pas ouf. Ça fait mal à ce soirée. Non, non. Et du coup, on est 2, 4, on est 6. Nickel. Incroyable. On fait un 2-4. De quoi? C'est une menu au Black 4, ça? Non, non. Si on est 6, on va à 2 bateaux sur le champ. Hein. Un petit 3-3, 2 bateaux, là? Let's go. J'avoue. Ça peut être une bonne idée, ça. On se met à 6 pour charger un bateau, et à 6 pour charger après. La comment ça s'appelle, là? La météo... Bonne. Si, la météo a l'air bonne. Ok. Le pont, étant donné que... Aïe. Nous sommes 6... le but étant que on y aille à deux bateaux. Ouais. Seulement, ces deux bateaux, il y a quoi? Il y a 250. On en met 250. Donc ça fait 500. Ça fait 250 pochons. Plus 40 par poche plus environ. 40, ouais. Bah, j'ai commandé de quoi faire deux allers-retours, quoi. Si on peut. Ouais, je sais même pas s'il y aura besoin de faire un deuxième aller-retour. Enfin, si on pourra faire un aller-retour complet. Alors, si je pense. Non, mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème qu'il y a, c'est que. Le problème qu'il y a, c'est que si on y va à 6, direct. Il n'y a personne pour récupérer. Non, mais on pourra pas tout remonter les pochons. Donc, on va être obligé de faire un aller-retour sur le ponton pour aller chercher les autres pochons dans les bateaux. Et si on dépose les véhicules en 1003 plutôt. On dépose 2-4-4 en 1003 et Oui, on peut. Mais ouais, après, c'est vrai que parce que au ponton, de faire les allers-retours jusqu'au ponton. Ça vaut pas le coup, non, c'est trop spotable. Alors qu'en 1003, tu peux plus et facilement aller chercher les véhicules. Ouais. C'est simple, Davis et moi, on descend avec un Evron et Camacho. Et pendant que les autres, vous allez, chercher les bateaux. Allez. Tu veux pas les deux évrons plutôt? Camacho, c'est 110 kilos. Hein. C'est suffisant. C'est... Non, mais toi, faut que t'ailles sortir le bateau. Donc, ouais, je sais. Ouais, Camacho, bah tiens, non, on va prendre les deux évrons. Non, mais on va prendre les deux évrons, comme ça, on est tranquille. Ah, attends, j'ai un message. Ah, c'est homopathie. Je pensais que c'était quelqu'un qui se levait, mais non. Mmh. Et ben, on prend les deux évrons, on se met tous en full tenue civile, on dépose les évrons en 1003, et les autres, vous allez chercher le bateau. Allez. Donc, ouais. Davis, tu viens avec moi déposer le bateau, les bons. Allez. Bon, les 4 places aussi, je pense qu'on va prendre son cara. Ah merde, le cara il est pas là. Il y a la révolteur aussi, non? Oui, mais c'est pas à moi, c'est à la boss. Ah merde. Ah putain. Ah bah il y a le 4x4 de Jax, s'il faut, c'est l'autre. Oui mais le 4x4 il part en 1003 celui-là. Ah le Patriot. Oui. Ouais. Je sais pas si ça fait. Bah oui c'est le... Allez hop, je sors. Putain je me suis lancé trop fort. Très bien qu'on ait le cara de... Je sais pas s'il est là en fait. Il est où Vincent? On prend celui... Non, on range ça... Mais on prend pas celui-là pour aller... Ou alors on prend 2 places pour descendre, voilà. Ah oui, pour... Pour descendre au ponton. Ah, un peu bien. Ah, t'as le carabin. Yop là. Ah. C'est qui? C'est moi, attends, bouge pas. Toi bouge pas, dans 10 secondes c'est bon. Ah bah oui, je veux bien que tu... Ah tu le ranges, nickel. Non. Attention à tes pieds. Et pourquoi il y a le carré de carré? Ah oui, ok. Et bonjour El Narco. Allez, let's go, Bob. D'autre côté. Ah, raté. Faut que je m'arrête de faire le plan. On peut réussir ou pas? Ouais. Bonjour, comment ça va, El Narco? Si, señor. Bonsoir, ouais. Avec tout le contre-jour, salut! On a Bob, Vincent là-bas. On va de suite, on recule en 1003.
Et vous-même, bah, bon. Alors déjà c'est moi-même, mais moi ça va, super. Écoutez. T'as fait plaisir de pouvoir faire le double bateau là. Bah ouais, ça va nous permettre d'enculer le champ après surtout. Mais quel péché malgré le contre-soleil, aïe aïe aïe. J'espère que tous ceux qui sont sur le live vont bien. Encore une journée ouais, et puis s'ils sont au champ, ils sont déjà sur le champ, si on arrive à 6 comme ça, on peut-être les toper quoi. Et on fera ça en 3 bateaux. Ils sont genre 3, 4. C'est vrai qu'on fera ça en 3 bateaux aussi. J'avoue. Ding, ouais, c'est ça. En un seul aller-retour, on fait les 1000. Ah oh, vas-y, s'ils sont en 3 bateaux, si on est en 3 bateaux, je prends le long fin, hein, je leur pique. Hein. Le problème c'est qu'on pourra pas le garder, mais par contre on peut le cramer comme ça. Non, on peut pas le cramer. En fait le truc Vincent, c'est que si tu commences à cramer les véhicules, de l'autre côté ça va cramer les véhicules aussi, et on va se retrouver à aller sur le champ à pied. J'ai perdu un camoteau comme ça, c'est casse-moi les couilles. Le truc c'est que ça sera plus cher à repayer que nous. Mais oui, mais ça fait quand même des dépenses inutiles quoi, tu vois. Oui, puis après ils vont partir full vénère, et dès qu'ils vont nous croiser, ils vont nous tirer dessus et tout, ça sert à rien. En fait quand tu touches au véhicule de quelqu'un, c'est le pire que tu peux lui faire, Vincent. C'est pas le torturer, c'est toucher à ses véhicules, le pire. Justement. Et le problème, c'est que derrière, ça va taper sur le véhicule. Le mec, il est obligé de racheter ses véhicules systématiquement, il a plus de thunes pour faire ses armes. C'est pas une solution. C'est même pas marrant, en fait, tu vois. Bah, yeah. Oh putain. J'ai cru que je me faisais une suffie, hein. Bah, putain. T'en auras un autre qui viendra un mois plus tard, même pas. Ouais, tu vois. Comme la police, hein, ils peuvent pas éradiquer la criminalité, mais nous on peut pas éradiquer nos concurrents tout le temps. Tu vois, c'est pareil. Puis c'est bien de savoir qui c'est déjà. Oh là là, j'avais pas vu tes chaussettes qui dépassent des chaussures là. T'es jaloux. Incroyable, oh, Jackson. Vraiment. Putain, bientôt il va nous sortir les claquettes chaussettes là, ça va être génial. Ouais. T'es jaloux. Il y a Davis hier, il était jaloux de notre magnifique pantalon blanc là. Mmh. Il m'a dit tout à l'heure, jamais je mets ça, il m'a dit tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça. On va le zipper, on va l'emmener à une boutique de vêtements, en fait, il va être obligé de le mettre. Tenue des capitaines, on met ça, hein. Let's go, hein. Et hop. Du coup, on les récupère à 1003, c'est bien ça? Yes, sir. Ok. Oui, ça fait plaisir de te voir, Jackson. Bon, c'est bah, tu vas un peu de temps pour moi. Il te bien raison, il faut. Très fatigué. Alors mesdames et messieurs, je trouve que le son du jeu est un peu fort, je vais toucher un peu au mélangeur. Alors non, du coup c'est pas ça. Voilà. Après on n'entend plus les gens parler, ça fait chier. Oui, t'as passé pas mal de temps à la pêche, c'est ça? Moi je suis resté à la porte, je me suis reposé. Ah mais t'es bien fait. Oh ouais, j'étais extrêmement fatigué et j'avais vraiment pas envie de bosser. Oui. Faut t'en raison, mais quand on est fatigué, faut se reposer. Donc moi ça fait 8 mois que je me donne un pont, hein. Bien oui, tu m'étonnes. Mais comme les vraies vacances que je me prenais, tu vois. Oui, je vois, tout à fait. Son du bateau, un enfer. Ouais, bah c'est pour ça que je viens de baisser un peu le son, j'espère que ça va mieux. Si vous voulez que je baisse encore, n'hésitez pas à me le dire. Je baisserai. Du coup, t'es revenu et tu te fais braquer par la mano. C'est bien ça, non? Ah non, non, j'étais pas là hier. Hein, t'étais pas là? Ouais, mais ça va alors.
On arrive, on est là. Ok, vas-y. Wow, c'est beau. Ils n'ont rejoint un âge ? Ouais, ils sont dans l'eau. Vous avez même pas fait passer l'info aux autres ? Ah, on était juste à côté, ils sont où ? Oui, ils sont partis là, à l'autre bout. Attends, j'appelle Vincent. Bon, avec cette option, on se met tous ici au pire. Oui. Ouais. Oui, il y en a tout le monde, c'est bon. Ah ok, c'est bon. Ah, on croyait qu'ils nous attendaient sur la plage. Non, ils étaient dans l'eau. Ok, ça marche. Bah, faut faire attention, faut prévenir la prochaine fois. Oui, oui. On y avait un peu plus loin des côtes quand même. On les aurait pas vus, on les aurait percutés. T'as vu là? Mais en fait, on s'est dit que vous nous suiviez, donc c'est pour ça qu'on n'a pas appelé. Mais ouais. Ouais, non, mais on vous a suivi, mais c'est juste qu'on savait pas qu'ils étaient dans l'eau, mais on cherchait sur la plage. Yes. Pas de sourcils. T'inquiète. Là, on reste en com ou ça sert à rien? Je ne sais rien. Vous voulez qu'on reste en com ou pas avec Vincent? Yep. Ah ouais, on reste. Ok. Aïe aïe aïe. Oh, je dois faire des dingueries de bateau là, un cadeau. On va sur le champ. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Ah non, j'ai de la bonne weed dans ma tabac. Ah non, ça marche pas ça. Comment on peut non, dire? Ça marche pas bien. Rocking! Ouais, bonne question. Il y a une manière de les prendre, les vagues. Tu peux prendre plus de vitesse. T'as vu là par exemple, t'as tourné, tu vois, tu prends une bonne pointe quand tu suis la vague. Une orque! Willy! T'as sauvé Willy ou... Ah non, moi j'ai sauvé que dalle, on a failli lui foncer dessus. Non, c'était à Bob que je parlais parce que il a dit qu'il y avait un orque. Y'a Willy! Du coup, ah putain, par contre, avec les clés, ça va être le bordel. Ah oui, Vincent vient de penser un truc. Avec les clés, ça va être la merde. On va tous s'en mêler les pinceaux, non? Oh là là, oh là là. Bah non, tout le monde donnera les clés. Oh le rocher. Oui, d'accord. Ouais, double rocher. Je le voyais pas, lui, le bâton. Et fais attention, Vincent, il y a les gardes-côtes là. On va pas leur foncer dessus. Ah oui, non, mais t'inquiète, c'est pas moi qui conduis. Oui, mais bon. Parce que Jackson il les avait pas vus, alors c'est pour ça. Ah oui. Non, c'est pas ça. C'est juste, il me dit. C'était un bateau pirate, les gardes côtes. Oh, y'a Giggling. On les voit à peine avec la brume, hein, putain. Mm-hmm. Ah ouais, c'est vrai que. Mais si eux aussi peuvent pas trop nous voir. Par contre, Jackson, il connaît peut-être pas la technique de lever le nez du bateau aussi. Mais si, c'est lui qui me l'avait appris. Bah, parce qu'on vous rattrape vachement vite quand même. Il y a Vincent qui dit que tu conduis mal le bateau, je crois. Je suis pas sûr. Ah non, c'est pas ça. Non, je dis juste que s'il y a peut-être un truc, ou alors son bateau il est pété parce que nous on le rattrape vachement vite quand même. Ouais, on va dire que c'est parce que Adam il conduit bien. Non, on va dire que le bateau de Jackson a peut-être tapé 2-3 rochers de plus ouais, que le vôtre. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être ça, ouais. Parce que. On vous rattrape quand même vachement vite, et là, si, depuis tout à l'heure, si Adam il ralentissait pas de temps en temps, on vous aurait dépassé. Ah. Et ouais, je sais pas.
C'est ça, c'est le bateau plus rapide derrière en convoi. Bah oui, yo Rock, ça, comment ça va? La voiture toujours la plus rapide de derrière. Enfin, 3, on va pas dire ça. De B-Boss, pardon. Ah, c'est vrai que nous, on est plus nombreux, du coup, on va un peu plus lentement aussi. Ah mais... oui, c'est vrai que oui, comme vous êtes plus nombreux, ouais. Puis faut pas oublier qu'il y a des vis avec nous, du coup, ça rajoute un gros point moins. Regarde, allez. Albatard, il dit il y a des vis avec nous. Ça ralentit. Il prend la confiance le Bob là, je crois. Non, laisse pas prendre la seconde contre hasard. C'est juste pour faire des blagounettes, hein, ça va. Je pense pas. Rocher ah. Bon, je fouille quand même les buissons avant d'aller sur le champ, les gars. Ouais, et. T'as pour aller au bateau, personne tout seul. D'accord. Allez, je vais filer les clés. Mais filez pas sur le bateau parce qu'à chaque fois ça redémarre les bateaux. Voilà, regarde celui-là d'Adam. Adam, ton bateau il est allumé. Attends, Bob. Tu l'as déjà ouais, non, j'attends. Attends, je vais passer les clés à tout le monde aussi de l'autre. Ben merci. Ah non, on va pas passer à Vincent, on va maintenant pour récupérer le. Ah, bien. L'encre elle est pas bien mise sur le vôtre. Ouais. Ah, c'est good, j'ai les deux clés. Ah, merci, je sais pas ce que. Allez, vous faites les buissons et tranquillement. Tout le monde a les deux clés. Ouais. Moi, j'ai pas la clé du vôtre. Okay. Bon, j'ai deux clés, oui, c'est good. C'est le MG ou quelque chose, je crois, le vôtre. C'est quelqu'un dans les buissons, on sort tes pointilles, on est tous armés. Aïe aïe aïe, c'est le moment rigolo ça. Oh, ici y'a quelqu'un, tu sors tes pointilles, on est armé, hésite pas, y'a pas de problème. N'hésite pas à sortir. Okay. Je crois qu'après, bon, c'est passé là déjà. Oui, là en face. Et là, on espère juste. On peut récolter. Mais nique ça, mais vraiment, genre, ça me casse les couilles. Hein. C'est quoi? Pas récolter. Ranger les guns. Ranger les guns et on va faire une reconnaissance un peu plus. Je me demandais pourquoi tu m'appelais. On est en mode de rompeur, randonneur, tout ça, tout ça. Ok. Enlevez vos sacs aussi. On s'est fait niquer par les familles. On va attendre un peu, après on va pouvoir vider le champ. Après je me demande est-ce que les bateaux, faudrait qu'il y en ait un qui reste par en bas. Je pense. Oh, excusez-moi mais ça me fait rire. Ouais, attendez, je vais mettre un peu la cam. Voilà. Je vais monter un peu à droite. Vas-y, vas-y, fais attention. Yes, ça. N'oublie pas de crier, Bob, si jamais pour qu'on puisse bien t'entendre. Car... Y'a pas de problème!
jusqu'où ils voient le. Je sais pas. Hein. J'arrive pas à savoir de où ils peuvent bien voir le. Bah, tu vas dans le son et dis-toi que si nous on voit la zone du champ, le bateau, c'est que le voyou aussi. Et ouais, mais. Le truc, c'est que là, avec la brume, moi, je sais pas comment ça fait vous, mais moi, là, je vois pas la plage, hein. Ah, mais après, là, c'est pas forcément la plage, c'est l'FD, oui. Ouais, c'est pas faux. Tati-tata. Là, sur cela, tu vois le champ suffisant. Ah oui. Oui, je vois ça. Ouais. On va faire marche arrière, Bob, ça devient dangereux pour y aller à pied là-haut. Oui. Ouais. C'est que ouais, après on va se casser la gueule. Chaud le champ vide à 14h quand même. Ouais, en vrai, ils sont chauds, les Familiz. Ils sont chauds, les Familiz, en vrai. Ça veut dire qu'ils étaient tous là ce matin. Genre, ils étaient au moins 3 ce matin, tu vois. Et qu'ils sont allés sur le champ, comme des sacs à merde, tôt ce matin. Demain, je m'en fous, hein. Je me mets d'accord avec quelqu'un, à 8h, on vient, on se fait une run sur le champ. Hein. J'ai perdu. C'est où? Je l'entends, je le vois pas. Il est là, putain. C'est pas arrivé, il s'est amené là-bas, s'ils sont passés où? Bon, ils sont à côté. Ouais. Ouais, après toper le convoi, je sais pas si. Ouais, si ça peut être un truc, mais il faudrait les spots en fait au moment où ils partent, réussir à les filer jusqu'à Caillou ou rester en plan Caillou et les taper dès qu'ils arrivent à Caillou, tu vois. Aïe aïe aïe. Ça fait chier en vrai, ça fait deux fois que ça nous arrive. Ça fait chier. Après, c'est juste qu'ils sont meilleurs que nous, hein, là-dessus. Ou que leurs joueurs ont de meilleures dispo que nous aussi. Je sais pas, mais. Mais ouais. À 14h, un jour de semaine, c'est déjà vidé. Ouais. Jouer à Monsieur Feuille. Et Monsieur Buisson. Ça doit être un peu démoralisant. C'est pas démoralisant en soi, c'est juste que ça. C'est embêtant, ça freine. Après, je sais pas, j'ai pas regardé les stocks du groupe aujourd'hui, mais ça freine, ouais. Après, c'est le but, hein. Ah ouais, putain, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont branlé pour un? Excusez-moi.
Ouais, non, mais on est obligé en fait de refaire des stocks là. On va être obligé. Après, c'est comme ça, hein. C'est le jeu. Ma pauvre Lucette, ah. C'est le jeu, eh. À la base, vous n'étiez pas monté sur l'autre face. Si. T'es maison fait de l'autre côté aussi. Hein. Après, ça devenait trop dangereux à pied, on allait se casser la gueule. C'était pas bon. Wow, ouais, t'inquiète pas, j'ai failli péter la gueule 2-3 fois, ouais. Sinon, on va les atteindre à Caillou et on les top up à Caillou ouais, quand ils arrivent. Bah, non, parce qu'ils ne transforment pas à Caillou. Ah, ils ne transforment pas à Caillou. Oui. Ah, mais non, putain, bah oui, putain, chier de merde. Ah, oui, c'est des pénichards. Ah, bon, donc, après, on peut les attendre sur la péniche, mais. Ouais, non, j'ai pas envie d'essayer. Il faut qu'on soit déjà une douzaine pour faire un, hein, parce que moi je vais pas la péniche à 600, je vous le dis. Hein. Bah, ouais, non, mais. Et puis surtout, en plus, la péniche, c'est beaucoup plus cramé. Parce que autant sur Caillou, tu peux mettre les bateaux plus loin et. Bah, t'as des garages de pour à ce les qu'on mettre. Voyait pas. En plus, t'as des garages et tout. Mais sur la péniche, t'es obligé de mettre ton bateau à l'entrée de la péniche. C'est ça. T'es non. Cramé. Oh, vas-y, vraiment, non. Putain, vraiment. Bon, pas si on t'est en péril. Faire un Tetris en. Un Snake en 20 ans. Et si t'as envie de faire une Tetris. Sinon, tu peux aménager une buisson ou deux. Ouais, ouais, je vais te faire un lit dans le buisson. Je vais te faire un lit, ouais. Oh la biche! Fais attention parce qu'il y a deux cerfs à côté. Ouais, on va éviter de se faire un palais. Ouais, ouais. Et, ça te dit, on monte un peu là, au revoir. Vince. Oui. On va voir s'il n'y a pas quelqu'un dans le buisson là-haut. C'est étonnant, mais. Ouais, on ne sait jamais. Et ça casse les couilles en vrai. Faudrait savoir où est-ce qu'il. Ouais, je sais pas. Mais de toute façon, c'est vrai que les verts, s'ils ont pas un mec qui est comme nous, on a des vis qui est. Il y a des terres à tout le temps planquer pendant des heures, mais s'ils en ont pas un comme ça qui planque des heures, bah, ça sert à rien d'essayer de les choper vu qu'ils vont pas avoir de spotter en permanence. Et ouais, mais ça craint quand même à 14h. Ça veut dire que là ils sont minimum alliés. Même s'ils étaient full des terres, ils sont venus à 3. Ils sont 3 à 13h. Chaud, ouais. De quoi? Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment c'est toujours niqué qui passe toujours avant non. Nous. Non, mais là c'est pas qu'ils sont passés avant nous là. Non, là c'est qu'il faut en fait il faut laisser reposer le champ toutes les nuits parce que sinon après ça repousse pas, tu vois. Ouais, j'ai compris. Ah putain, c'est juste qu'il y a pas assez et de là, flics. C'est qu'on est un peu trop tôt. Bon, le problème c'est que normalement vers ces heures-là ça va quoi d'habitude. J'ai cru qu'on s'était fait niquer, qu'ils étaient déjà passés, mais non, c'est juste qu'il n'y a pas assez de flics. Parce que de là, en vrai, tu vois bien. Ouais, de là tu vois bien. Après, c'est est-ce que t'as des bons buissons pour pouvoir te planquer? Parce que, ouais, tu peux te planquer ici, mais tu peux pas planquer de véhicule. Et ici, juste là derrière la butte. Ouais, au pire, derrière la butte, en vrai, oui. Ouais, c'est vrai que là, derrière la butte, tu peux même mettre un 4x4, ce que tu veux. On ne verra pas, ouais. Ouais. On va juste sur la butte là. Après, par contre, il y a peut-être un peu de passage dans le coin là. Ah oui, pourquoi il y a une balade là pas loin? Là, tu regardes, tu vois bien qu'il y a un chemin là, juste là. Ah oui, je vois.
Donc il y a peut-être des touristes et tout, mais là tu peux mettre un véhicule sur la butte là. Jamais de la vie on le voit, si c'est une moto, un wagon, quelque chose de pas trop haut. Bien, ouais. Et toi tu te fous dans le buisson plus bas, c'est bon. Tiens, ça c'est bien ça. Même de là tu vois tout au final. Quoi, tu vois tout? Non, tu vois une bonne partie de la plage. Non, en vrai. Ah, tu veux dire d'ici, pas du buisson? Ouais. Non, tu vois pas grand chose en fait. Non, c'est mieux le buisson. Le buisson, par contre, ouais, tu vois vraiment tout parce que là, t'as vu tout le champ, plus les bateaux. Oui. Je regarde. Bah, tu te mets là, dans celui-là, là, c'est fini. Tu te mets ici là, avec une paire de jumelles. Là, attends, tu vois tout. Là, je vois qu'il y a la boss et Jackson qui arrivent sur le champ. Il y a Adam qui est au niveau des bateaux. Ah ouais, là tu vois tout. Hein. Oh, je vais quand même envoyer le point à... Ah, je sais pas, je l'envoie à Davis. Ils doivent le connaître. Mais Hop. Après, ils doivent le connaître. Et merde. Hop. Mmh. Oui, Davis. Je t'ai envoyé un point GPS, c'est un buisson où je pense que vous le connaissez déjà, mais en vrai, on voit vraiment tout et tu peux planquer un 4x4 ou ce que tu veux, juste la butte derrière à 50 mètres à pied, même pas. Et tu te planques dans le buisson et genre, tu vois vraiment tout. La butte, c'est-à-dire. Est-ce que t'as vu où on était avec Vincent? Oui, on sait. On sait qu'on peut planquer des véhicules là-bas, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ouais, non, mais je sais, mais pourquoi on fasse gaffe à celui-là aussi quand on vient, quoi. Pas spécialement, parce que là-bas, ils nous verraient pas. Ben, on a tout vu, nous. Vous voyez faire des allers-retours et tout. Ouais, mais parce qu'on n'est pas caché et qu'on s'en bat les couilles, là, on est en train d'attendre. Ouais. Bah, je les vois pas. Oui, je sais pas. Ouais, fait bref. C'était juste pour prévenir au cas où s'il y a un joueur. Yep. Non, là c'est en stand-by, on sait toujours pas. Non? Ok. Ça, toujours pas. Là, on est là des heures, là, je pense. En vrai, ça casse le crâne. Hein. Non, moi, je me remets dans mon buisson. Ouais, d'accord. En vrai, ça casse vraiment le crâne. Hein. C'est comme ça. Hein. Mais là, du coup, ils veulent attendre jusqu'à ce qu'on... je sais pas ce qu'ils veulent faire. Comment ça va, Bob? Oui, ça va. On aurait dû prendre une canne à pêche. On peut pas pêcher, je crois, ici. Oh merde. Ouais. Mais par contre, au bout d'un moment, là, on risque d'être obligé d'envoyer quelqu'un en bateau pour rechercher à bouffer, parce qu'on va plus avoir à bouffer, là. Ça va aller. Faut toujours prendre un 5-10 sur soi quand tu es sur le champ. Bah, d'habitude, quand on vient... Bah, en fait, tu sais, qu'on va faire deux allers-retours, tu vois, là. On va faire deux allers-retours max, donc tu prends de quoi faire trois allers-retours, tu vois. Et quand tu pars de l'appart, il faut que tu aies bien mangé et bien bu. Ah oui, non, mais ça, c'était pas un problème, c'est juste que là, pour ouais, moi, Davis. Avec deux allers-retours. Davis, go sur le champ maintenant. Ah, nickel. Ça récolte. Let's go, j'arrive. Allez là! Nickel! Ça... Je
putain. Yo, Pulga, comment ça? Monsieur Bob est dans le gang. Eh ben ouais, je pensais qu'hier, la dernière fois que j'étais passé, c'était assez... C'est visible. Le champ, il est full, on va défoncer le champ. Là, ça veut dire après, là, s'ils avaient prévu de venir récolter, ouais. Ils vont être baisés. Mets pas ton sac, Bob. Oui, oui. Nickel, là. Quoi ça récoltait? Ben non, non, moi j'y étais pas, mais j'ai plus loin pour ce putain. Tu dis, ouais, voilà. Ouais, ouais, il est chez Ghost. T'as commencé à faire la compta, ben, du coup? Bah ouais, déjà fait, hein. Nickel. Mais ouais, comment ça va, Pulga? Content de toi. Bon, je vais râler assez fort, maintenant on peut récolter. Nickel. Ça, je vais râler plus souvent, ouais. Pardon, hein. Ah si, hein. Ah, pardon, si, hein. Ah, pardon, ta gueule, hein. Je vais râler à 8h du matin, comme ça je peux venir récolter à 8h. Ah, ça s'appelle réveil. Ah, ouais. Je pense que ça va rien changer à 8h du matin. Ah ouais, non. À 8h, je pense. Aïe, aïe, aïe. Il faut quand même laisser reposer le champ. C'est hein, des fous. Les pieds, ils vont crever. Hein. Tu vas voir Jackson dans un magasin de jardinage à aller chercher son meilleur engrais. Putain, là, je vais pisser sur me poser un peu après une matinée de taf. Ah, t'as raison, il faut. Il y a mieux, il va les cramer. Il y a les cendres d'Ojo qui traînent quelque part. Tu vas les récup. Ça fait un bon engrais naturel. Quel bâtard. Alors, j'avoue. Après, c'est des engrais naturels. Ils sont envie de pouvoir revoir Joe. Putain, j'avoue, si on me fume un jour, vous me dispersez sur le champ de bœuf, c'est trop bien ça. Le film là, le gars qui fait pousser. C'était Nick Livory avec les cendres de son pote à Yossi là. Oh putain, ça se réveille avec du gros Rammstein et tout, c'est nickel ça. Ouais. On écoute... Comme ça, quand on la fumera, on verra Joe, on sera en mode oh Joe. Oh là là. On sera blasé, on sera de mauvaise humeur tout le temps, on râlera tout le temps. Nickel. Ah ouais, d'accord, on parle là-dessus. Alors, ça fait chier, on comme est pas payé. Comme ça, j'arriverai, je pourrais tirer des balles à vue. Nickel. Super, tu te retrouveras toute seule. Génial. Nickel, je m'en fous, j'ai des millions sur un compte. Ah oui, mais c'est con d'avoir juste 2 millions alors que tu pourrais avoir plus si tu nous laisses en vie. Ouais, c'est pas faux. Ça, ouais, mais déjà 2 millions, j'ai une révolteur qui est bientôt full. On est juste bon à lui faire gagner de la thune. Ah ouais, d'accord. On est juste là pour la thune, quoi. T'as vu ça? Ah super, la famille. On va se casser avec les 2 millions. La famille avec des billets dans les yeux, c'est beau. Ouais, ouais. C'est beau ça. Putain. Et Bébou, je sais où t'habites, fais attention. Je sais où t'habites. Bah, quand je vais déménager, tu sauras pas. Hein. Ah, je sais où t'habites, fais attention. Ouais. Ah, si, faut que je place un infiltré dans chaque mairie pour savoir où elle va déménager là. Ah, si vous étiez vraiment que du fric à l'aide, hein. Je crois bien longtemps que certains, je me serais séparé. Hein. Enfin, ah, oui, chaud. Vraiment là elle a dit ça, elle s'est retournée vers moi. Mais bon, après, je sais pas. Avec tout mon respect, bah ça, je vais t'enculer. Hein. Ah ouais? Ah ouais, chaud. Ah, déjà, faudrait que tu touches à mon cul, mais ça, c'est pas possible. Parce que tu veux pas. Ah putain, c'est déniqué. Ah, il me fume. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Bob a rejoint un gang. Ça s'est fait... Quoi? En gros, j'étais parti sur le fait de rester petite main, parce que j'aimais bien le fait de travailler quand je voulais. Au final, ça me plaît bien aussi, le gang, pour le moment. Donc bon, on fait comme ça pour le moment, et puis on verra. J'ai laissé ouvert. Ouais, c'est gentil. Il part là, non? Ouais, il faut pas s'y remettre l'encre. Il faut remettre bien l'encre après. Mais pourquoi tu fais ça? Ah bah, nique ta mère. Oh, il est chaud. Ouais, il est fou. Là. Ah, du coup, tu dois. Yeah. C'est vrai que le petit cul de la bosse là. Ah bah, allez, pardon. Excusez-moi, je digresse. Pardon. Ça... Bob. Ouais. Ça va? Ouais, tranquillou. Nickel. Et toi, ça va? Essaye, connard, ouais. Ah oui. Connard, carrément. Ah, super. Allez, tout de suite. Elle va te goumer. Ah non, je l'ai pas dit, Ah ouais, c'est Davis. Davis, de temps en temps, il faut l'appeler connard. Ah oui, d'accord. Ça lui fait plaisir?
Ouais, il est un peu sadomaso sur les bords, du coup il aime bien de temps en temps que je l'appelle les connards. Oui, d'accord. Le génie. Du coup, comme il aime bien que je l'appelle de temps en temps connard, et ben je l'appelle connard. Oui, d'accord. Bon après, si ça le dérange pas et qu'il apprécie. Oui, il apprécie ça. Il est un peu sadomaso, quoi. Il aime quand on lui fait du mal, mais... Ah, d'accord. Bah du coup, il est maso. Quoi? Et oh, 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 ça parle de quoi, là? Il vient d'arriver. On parle de toi qui va reculer maman ce soir parce qu'elle m'a dit de niquer ma maman. Des fois, elle m'a dit ça brutal, alors je suis brutal. Merde. Ouais, rendors-toi, ça ira plus vite. Hein. Putain, mais bon. Là, je toquerai la porte tout douce... je toquerai la porte tout doucement ce soir, on verra bien. Hein. Putain, je suis content de pas être dans le même appart. Au moins, je peux dormir. Ah, mais t'inquiète, on est que tous les deux dans l'appart. Mais non, il n'y a pas Vincent. Non. Bah, ah non, on a Adam, mais Adam il taxe chez nous. Ah ouais. Bah, en même temps, on a aussi Davis, mais Davis il dort jamais à porte. C'est quoi un appart? Tu vois, c'est un endroit où tu habites. Ils sont mal dans un. Tu es censé dormir en théorie. C'est... Ah, c'est Davis, pas le château d'eau? Non, non, c'est pas le château d'eau. Ils sont mal dans un buisson, c'est débile. Bah, d'accord. Si tu somnoles dans un buisson sur le champ, c'est ça? Quand tu fais les tirs au matin. Je tire le connard qui est pieds nus hein, dans mon lit là. Putain. Oh, t'as l'air. Ça va, le temps que c'est pas Jackson qui te met 3 balles dans le buffet en te croyant que t'es nu. J'ai envie de te dire, ça va, t'as de la marge. Hein. J'ai quand même réussi à confondre ta peur de la marge. Nu, Jackson. Hein. Ah, c'était pas, c'était pas sa femme, c'était juste sa vulgaire boss. C'était que ma boss à l'époque. Hein. Oh là là. Mais encore. J'étais pas boss encore, non, j'étais numéro 2. Moi, bah, c'était tout comme quoi. C'est pas faux. Parce que l'autre là. Hein, C'est pas vous qui. Bah, je prenais toutes les décisions. Mais il était. C'était une gomme le type. Ah oui? Une gomme? Une gomme. Ah, c'était une gomme. Ça compte pour dire que je suis gentil et, à part un moment, mais lui c'était pire. Ah oui? C'est gentil en vrai. C'était un bisounours? Ah oui? Il servait à rien, il parlait jamais. Ah, sur les rendez-vous, les autres chefs de gang, il parlait pas. Rendez-vous. C'est moi qui devais parler? Mais c'est moi qui devais parler? Bah oui. Ah oui, c'est lui. Ça devait vous rendre fou ça. Bah quand t'es numéro 2 et que tu fais face à tous tes chefs de à tous les chefs de gang et que c'est toi qui es obligé de leur parler parce que ton chef n'est pas capable d'aligner un mot, oui. C'était grave ça quand même. Ouais. C'est grave. Il y a beaucoup de respect pour lui hein, mais pff, ouais, il faisait pas grand chose. Hein. C'est... À part s'amuser avec Ben, oui. Quand monsieur tout lui cassait un peu les couilles et que c'était moi qui prenais tout dans la gueule. Ah oui. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de numéro 2. Je mets bien perso, c'était compliqué. Ouais. Alors, après, je connais pas en RP Crimi ce qu'il donnait, mais ouais, j'ai RP un peu avec lui quand j'étais civil. Et ouais. On va te faire enculer. Qu'est-ce qu'il a fait? De la merde, comme toujours. Il avait l'air vachement content quand même. Il fatigue. Je vais pas dire, mais en un aller-retour, on a rempli un bateau. Hein. Bah en même temps, on est 6. Hein. On va faire à 6 tous les jours, je crois. Mais y a pas tout le monde qui peut se aller tous les jours. Hein. Genre, si elle gère bien. Oui, moi, il y a que cette semaine où. On s'y est un peu tout le temps. Tu veux que je remette l'âne, Jackson, ou c'est bon? Je veux bien, ouais. Attends, je vais faire. Ah, mais c'est vrai, je tue. Vas-y. Voilà. Joy, ça le gère bien. Ouais, bah après, moi j'en sais rien, je t'avoue que. Que après. Après, je sais pas si ça la saoule pas au bout d'un moment. Au final. Après. Ouais, j'en sais rien, je sais pas où elle en est sur son perso, mais. Ça doit bien faire. Un an qu'elle est sur. Un an et demi, un an. Que Joyce Harper. Et là. Donc
À voir, je sais pas. Si elle est pas saoulée, si elle est pas. Si elle en a pas un peu marre. Mais ouais, elle gère en vrai, ça va. Quoi, en tout cas, ça a l'air d'aller. Après, je connais pas plus. Mais oui, je vous laisse alors, donner les chiffres. Le ménage, des fois, c'est moi qui le fais, le ménage déjà. Elle le fait jamais. La lessive, c'est moi qui le fais aussi. Elle la fait jamais. Hier, je lui fais à manger. Je lui dis, tu me fais à manger ce soir. Elle me fait, on verra ce qui reste à la porte. Non, j'ai dit, je sais pas ce qui me reste comme ingrédient à la porte, mais elle va taper un truc au micro-ondes. Tiens, chérie, je t'ai fait à manger, quoi. Super. J'ai plus de micro-ondes, il est en panne à la porte. C'est l'intention qui compte. Elle va me faire un bol de céréales là. Et alors, s'il est fait avec amour. Une de ces quatre, elle va commander Uber Eats. Vous allez comme prendre par les Chinois tous les deux. Non, mais ça va, arrête de le plaindre. Je me plains pas, je la taquine parce que je l'aime bien la taquiner. Ouais, c'est ça. Moi, je suis calme, griffe et tout, j'aime bien. Ah oui. Et bon. Après, tu ah oui, toi aussi t'es maso, c'est une. J'aime miaule, ouais, c'est pas bon, j'ai pas miaulé. Ouais, c'est vrai, c'est pas bon. Donc, ça fait un moment que t'as pas ronronné ou miaulé, ouais. Ouais. C'est bizarre, souvent ça arrive quand on est sur le bateau en plus. Au moins, on sait que si pour ton anniversaire, on t'offre des pinces tétons, arrête, je serais content. En commentaire, je dis pas, mais. Jackson, tais-toi. Tais-toi. Offre-lui un livre et sur la nomination et la soumission, ça lui ira très bien, t'inquiète. Ah, c'est vrai que vous dites, c'est moi qui donne les ordres. Hein. Il a des petites choses qu'il connaît pas, je crois, sur ce sujet. Pas. Ah ouais, pauvre Jackson. Vas-y, guide-moi. Elle le fait pas, au bout d'un moment. Ouais, bon, en même temps, faire un tuto pour qu'on le fasse, c'est pas un tuto YouTube. Attends, t'as les 42. Ah putain, je suis pas de un tuto YouTube, oui, c'est pas ouf. Ouais, sur la domination, ouais. Sur comment YouTube, dominer ma famille, sur YouTube, pas ouf. Ah, y'a moi ou je suis en impair hein. Moi, je suis en impair là, donc s'il y a quelqu'un qui en a. Après, je peux en récupérer une normalement. Je suis à 41, mais je peux encore en prendre une normalement. Bah, j'ai aucune idée, mais après, ça va. Il me manque sur ça. Après, Nicolas, il y a. Fais moi ta dernière, de toute façon. Voilà. Buzz, t'as combien? Tu veux dire Ice, pas Hive? Je pense Ice, ça n'a pas été le premier chef des Vagos. Il y a eu quelqu'un avant lui. Nicolas, je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé. Moi, je suis en père. T'as combien? J'ai 43. Bon, ici je suis à 43. Bah, il faut qu'ils soient impairs, boss. Ils sont trop impairs. Ok, oui, donc il faut que j'en récupère encore une. Après, sinon tu m'en donnes une et j'en récupère parce que c'est plus facile d'en récupérer deux que une. Je pense le plus vieux c'est Miguel, Nicolas et après Ice. Mais en vrai, deux mois après, c'est. Ouais. C'est comme quand t'essayes de mettre juste une tête dans le bateau à la fin. D'accord, ah oui. Tu vois, c'est pas si. Ça aurait été plus simple que tu m'en donnes une parce que moi je. C'est parce que quand tu place, pèses sur la balance, tu vois pas toutes les. Ah, t'as la place toi. Plaisir à jouer. Oui, ouais. Mais après, tu prends par exemple Ice. Genre une et demie. Ice, lui, avant d'être criminel. Donc au final ça fait un peu plus d'un an qu'il est criminel. 44, il faut que j'en reçoive une ou pas alors? Non, c'est bon, je vais me débrouiller, j'en prends une si vous voulez. Non, c'est bon. C'est bon? Bah ouais, il en a repris une. Jackson en a récupéré une. Attendez, non mais stop. Maintenant, qui est un père qui lève les mains? Qui est un père qui lève les mains? Moi je suis un père. Nickel, donc il faut que j'en récupère une. Ok, redites-moi vos chiffres les gars, en commençant par Vincent. 44. Ok, Bob. 43. Adam. 42. Jackson. 40. Et on attend la boss. Boss, t'as combien? Attends, elle va filer la tête à Bob. Ah, je crois que Bob il peut pas rien. Attends, non, mais si, je vais boire un coup. Hop. Ça devrait être bon là. Tu veux m'en donner une? Non, j'arrive pas à te la donner. Ah bon? Ah oui, ça fait 800 grammes, putain. Oui, c'est bon, c'est bon. T'as combien, boss? Miguel, il a pas 2 ans.
Miguel, 45. Il a un an. Un peu plus d'un an. Parce qu'il est venu après RPZ. Ah oh ouais, on a vidé le champ, quoi. Nicolas, il est arrivé après RPZ. Même pas. Et Ice, lui, il est là depuis vraiment très longtemps. Oui, il a Xavier Flinch, je crois que c'est. Miller départ 14h37. Xavier Flinch, il est là depuis vraiment très longtemps, mais avant ça, il était patron de la ferme. Tu vois, si on arrive avant à ça, il était flic. Tu fais ça un truc le et soir. Et après, il est passé. Et ça prend pas plus de temps que ça. En fait, le souci, c'est que même si on revient et que ça aura repoussé que pour un seul bateau. Oui. Ouais. Ah bah alors, oui. Ça nous fait 380 pochons. Ça nous fait plus de 500 pochons. Ouais, s'il y a un truc à faire. Dis-moi. On full charge un des deux bateaux. Il remonte au ponton se décharger et l'autre se revient directement ici en vrai. Ils auront pas assez. Ouais, c'est trop la merde. T'as vu la cargaison qu'il va y avoir? Oh, je pense que ça passe en vrai. Il y a 380 pochons en. Ouais, il en fait 3 et 3. 3 et 3 comme ça, c'est nickel. Merci. Ceinture. Oui, c'est mis. La ceinture, c'est pas comme les antibiotiques, c'est automatique. Ouais, c'est pas automatique. Ah oui, c'est pas automatique. Ah ouais, des fois moi j'oublie complet. Hein. Ah ouais, mais pour moi vraiment, ça fait 9 mois que je suis sur l'île. C'est un automatisme que j'ai pris très rapidement. Ouais, moi pareil. Au début, ça m'arrivait. Tu vois, genre je faisais 1 km et puis c'est plus tard, c'est un truc. Est-ce que je c'est là qu'ils savent pas que ça fait 2 ans que je suis sur ça. Quelqu'un peut me mettre un point sur la pointe de caillou. Ah ouais, au cas où on vient à perdre le bateau. En fait. De toute façon, ouais, mais au cas où on vient à les perdre, tu vois. Là, c'est bon. C'est moi qui devais lui mettre de toute façon. C'est non, quand le point est pas mis, peu importe qui le met, je l'ai. C'est la magie du bateau. Et le bateau, je crois, oui, il y a tout le monde qui peut le mettre. Ouais. Oui, même dans un véhicule à 4 personnes, hein, à 4 places, il y a tout le monde qui peut mettre un point. Ça dépend s'il y a un point qui a déjà été mis ou pas. Ah ouais, d'accord. J'ai fait mes tests quand j'ai joué. Bah oui, Phil. Mais hier, c'est... Putain, cet enculé. Aïe, aïe, aïe. Meilleur pilote du CERF, bah, c'est sûr. Hein. Ah, les ceintures, j'ai vraiment pas le réflexe hein, d'aller chercher, d'aller appuyer sur la ceinture, mais bon. En vrai... S'en fout. C'est ce qui est drôle. Tellement bien là. Et non, pêche, on dirait on va tous se pêcher en haute mer, en famille, nickel. Ouais, c'est ça, peu de choses près. Les ghosts à Mykonos. Nickel. Oh putain, une mission de télé, on fait ça bientôt. Allez. On va demander au Weasel de venir avec les caméras. Les ghosts sur le champ de vide. Oh putain. Ah ouais. Oh, merci beaucoup Naiko91 pour ton follow, ça fait extrêmement j'ai plaisir. J'ai demandé à Ali, hein, je lui file des joies en échange, elle parlera pas. Hein. Mais non, c'est une rien qu'en te suivant, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ça change pas ça, ça changera jamais ça. C'est beaucoup trop drôle de conduire comme ça. C'est quoi ce bruit? Attends. Vraiment un qui est en train de passer son meilleur marteau piqueur. Ralentis un peu parce que je sens si je prends une vague trop vite, je vais sauter sur leur bateau. Ah oui. Moi je crois que je vais pas trop parler parce que j'ai le meilleur mot de gorge possible au monde. Ouais ouais t'inquiète pas. Y'a pas de soucis Bobo. De toute façon y'a des jours où même quand on a pas mal la gorge on parle un peu moins. Ça arrive. Oh putain. Vous y étiez venu, vous l'aviez suivi jusqu'au PC, vous étiez posé sur le ponton et c'était Parnas qui était venu vous défoncer la gueule. Ah ouais, cette scène elle était géniale. Il y a pas longtemps, mais. Et moi j'ai vu une 3 ans. Ah d'accord. C'est pas compliqué, moi je suis né en 2000. Comme ça, ah, je suis pas pareil. Chier à compter. Mais moi je suis né en janvier 2000 en plus. Ok. Et pourquoi vraiment... T'as combien toi?
Bah 23 ans du coup, j'étais né en janvier 2000. Mais toi? Moi j'ai 28 ans. Ah ouais? Ouais, bah, je suis le daron du groupe là, j'en veux plus. Vraiment? Bah je crois que je suis le plus vieux. De tout le monde? Oui, je crois. Peut-être la boss qui doit avoir un an plus que moi, je crois, même pas, je suis pas sûr. Ah oui. Ouais. Je sais pas parce que au BCES, nous, 26 ans, bah, enfin 28 ans, t'as été un. T'aurais pas été un des plus jeunes, mais t'aurais pas été un des plus vieux du tout. Ouais, bah là, ouais. Et bubuting. Bah, mais bon. Chez les gosses, t'es recrute jeune, hein. Oui. Ça fait quoi d'être le papa? C'est pas comme. Pas comme les. Ah, je me sens pas du tout comme le daron du groupe, hein. Je fais full merde. Oui, c'est pas faux. On fait pas comme la Piovra qui eux recrutent directement des retraités. Ah oui, alors la Piovra ils étaient full vieux. Ouais, ils ont recruté un retraité. Non, oh, putain. C'est pas des full vieux, c'est juste ils ont un vieux, mais le vieux il a 70 ans passé. Putain, d'accord. Il marche avec une canne et tout, hein, c'est le vrai petit vieux, quoi. Ah oui, d'accord. Il y avait des cailloux là. Ah ouais. Ah ouais, mais on a fait un rebond là, je sais pas si. Ah ouais. Tu sais, un ballon de basket, gros. On est. Aïe aïe aïe. Ouais, cette scène elle était géniale en vrai, avec l'hélico qui se pose au Black Cat. Bon, monsieur Connor, vous allez nous suivre. Ça sera à faire, tu piques le champ d'un coup. Ah ouais. Ça parle de 3 bateaux là. 3 bateaux, tu vas à 9, le champ, tu l'encules. Bah ouais, mais il faut être 6 pour les 3 bateaux quoi. Oui, voilà. Bah, faut être neuf, et t'es si vénère, ouais. En vrai, c'était tellement drôle. Bah, ça dépend à quel... Monsieur Connor, on vous embarque, on vous amène avec nous et tout. Putain, laisse tomber ce bord. Mais du coup, t'es plus sur le serveur, toi. T'es parti. Ah ouais, arrêtez. Une tonne à 30 km/h. Une tonne, là. Ouais. Ah, on a demandé. Une tonne, 30 km/h. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, ouais, on va mettre 8 jours à peu près pour faire l'aller-retour. Mais une tonne. Tu ouais, bourres le bateau et au pire tu le mets en haute mer et c'est des speeders qui viennent chercher. Ah t'es encore sur ça. Le fort complet une tonne en vrai. Qui viennent chercher dans la cale quoi. Et puis en plus. Ah mais oui c'est avec des canestres. Avec le oh, leur bateau oublié. Là tu peux monter au moins. J'avais oublié. Oui. Dessus là. Oh, oui. De toute façon ça va pas. Mais t'es toujours flic. C'est l'accident. Mais tu oh c'est là ça. Là. Dessus oh. Comme un guignol quand tu accélères. C'est beau. C'est beau de voir des gens comme toi. 12, y a pas de problème. On y va à 12 dedans. On fait une interchamp avec le gros bateau du coup. Ouais, Killer, il était tellement énervé, il voulait me. C'était les ballasts qui fait un il voulait me. Il voulait mettre. Et il voulait m'envoyer à je sais plus où. En deux secondes. Comment ça ils ont fait accoucher, ils ont fait un braquage de quoi? Bah les ballasts. Ah tous les vieux flics ils sont allés à la CHP en vrai. Ah d'accord. Avec le bateau du Bigling. Avec le ils sont jamais arrivés jusqu'à la banque. Tu m'étonnes, c'était trop long. Bah oui. Non mais ils sont arrivés jusqu'à la plage derrière le BCES là vu que c'était la banque de Paletto. Ouais. Et sauf que ces connards là, je sais pas ce qu'ils ont fait, il y a quelqu'un qui a tiré ou quoi. Oh. Et du coup il y a les flics qui sont arrivés avant même qu'ils aient eu le temps de débarquer du bateau. La gonzesse du Bling Bling à qui j'ai posé la question, elle m'a dit le souci c'est quand on va emmener de la fourrière. La fourrière elle est en 10-12. Enfin en 10-12, mais tu sais là où on prend notre bateau, il nous a dit on est obligé d'y aller à 5. Et que tout le monde a un jerrycan d'essence pour être sûr de pas tomber en rade avant les. Ah ouais, en plus ça doit consommer cette merde. Oui. Y en a un qui a une tête en. Oui, c'est moi. Vas-y, mais là, bah c'est moi, je l'ai récupéré dans le ballon. Mets là dans le bateau. Et ouais. Tac. Normalement, tac. On est censé être permis, nickel. Voilà. Ouais, du coup, il y a tous les anciens flics qui sont tous. Putain. Oh, bientôt il va avoir O'Brien qui va arriver à la SHP avec Jordan et ça y est, il y a vraiment tous les anciens. Jordan, faut qu'il vienne à la SHP. Putain. Une tonne de poiscaille. Oh c'est les pattes des flics comme on dit. Ouais mais après il les pêche au filet, il les pêche pas à la canne à pêche. Ah oh, bah j'espère bien, hein. Moi je suis assez con pour parce le payer pour pêcher à la canne. C'est très long hein. Je suis assez con pour prendre ma canne à pêche et pêcher une tonne de poissons, hein, je remplis de gamacho tous les jours. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. De quoi? Comment ça, c'est pas pareil?
Ouais, mais toi, tu planques pendant. Enfin, t'es capable de planquer pendant 8 heures d'affilée, donc au bout d'un moment, là. On verra si un jour j'ai le rôle. Ouais. Rester sans bouger, faire En vrai, on s'y attache à force des persos aussi longs comme ça. C'est vrai. Moi, Donc, ça ouais, m'a fait c'est mal pour ça hein, de que reroll dans avec ton Bobby, civil, mais. ils font que du boulot, quoi, tu vois. Ça m'a Et fait mal de reroll avec t'as Bobby, des mais. paliers, avant d'avoir tes primes, tu vois. C'était nécessaire. Je voulais absolument voir ce que donnait la criminalité sur un serveur à peu près sérieux. Et tous les serveurs que je faisais jusqu'à. Alors, c'était de la merde, j'ai envie de dire. Du coup, franchement, d'avoir. Je regrette d'avoir perdu ce que Bobby savait, ce que Bobby et qui Bobby était pour beaucoup de monde. Après, au final, ce personnage-là, c'est Bobby, mais qui est criminel, quoi. Donc ça va, C'est ça me aussi pas dérange pas quelqu'un qui vit en spécialement. supérette, quoi. Tu vois. Il y a Et à juste la côté de ça, voix bah, qui ils est font la restée. cuisine et la fabrication de Ah tout. bah Bobby, quoi. Ouais, voilà. Ça me fait un peu chier, en vrai, mais après, je pense que c'était nécessaire. Déjà, je Le jeu est voulais quasiment tenter de fini, nouvelles les choses en dernières RP, quêtes. et avec Bobby, j'étais coincé. Après, J'étais c'est fini. réellement coincé. Bon, il y a le deuxième bateau encore. Les deux bateaux sont déjà finis. Ah bon? Oui. Oui, ça va vite, assis, ça, en fait. La Bobbies, ouais, bah, ça c'était René qui l'avait sorti, mais ouais, la Bobbies, y a plein de conneries que Bobby a fait. Du coup, Les on fait quoi? concours de On saut en charge parachute un bateau de l'hélipad du Benny, on les charge les deux. conneries comme ça. Bah, de toute façon, on va aller en 1003, donc. Ouais. Ouais, parce que sinon, si on charge un des deux bateaux, si ça passe, et que y en a qu'un seul qui va en 1003 et l'autre qui va direct récolte. Bah, en vrai, il va pas y en avoir autant que ça. Hein. On l'a laissé à Ouais. 200 et quelques. Bah justement, c'est ça. Faire un flic Il y a qu'un ripou, seul mais bateau, pas on va qui pas besoin d'un balance des bateau. infos, Ouais, mais mais faire l'aller-retour qui pour 250, clairement est ça borderline. Seul fait problème, c'est que 125 vu bouchons que sur tout le ta monde route, balance c'est pas très tout, rentable, quoi. Ouais. il ferait pas l'inverse. Du coup, là, on retourne direct au camp. Ouais. Moi, j'ai hésité de faire un. Pendant un moment, Bah, j'ai j'avoue hésité de qu'il y a faire. il faut que tu prennes un bateau à piloter, il y en a un autre qui prend le bateau et tous les autres sont en 1003 pour sécuriser les bouchons. Bah, il faut tout mettre dans celui-là, il faut que la boss prenne pas de pochon avec elle. Ouais. Pourquoi tu veux pas que je prenne de bouchons avec moi? Bah, Si les ou filles qui alors nous que attendent en dans. 1003. Ouais, ou alors que sur ton. Que sur toi, quoi. Je sais pas. Non mais. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, pour pas qu'on soit avec des sacs, ceux qui vont à l'Hébron, tu vois. Je sais pas si c'est Bah, tu important veux ou qu'ils fassent pas. quoi? Ouais, c'est vrai, j'avoue. Tu veux qu'ils me bouillent pourquoi? C'est Parce vrai, c'est vrai. qu'on. Non, mais c'est vrai, t'as raison. On était à la pêche, donc on s'en bat les Ouais, couilles. c'est vrai. Et donc, Vincent prend un bateau en pilotage. Il y en a un deuxième qu'il faut qu'il aille avec lui. Bah, Adam, tu peux y aller, comme ça, Ouais, tu on prends le prend mon deuxième bateau. bateau. On se rejoint tous en 1003. On débarque en 1003. Et tous ceux qui pilotent pas le bateau, donc c'est-à-dire Bob, moi, et Davis et Jackson, on part dans des égouts. Pas plus Ok. simple. Let's go. Ouais, les Ben, cochons, je vais on en les prend prendre un. tous sur soi ou. Bah, les conducteurs, non, ça vous évite de devoir descendre du bateau. Ah, ok, Ok. bah, Je attends, vais je déposer repêche tout mes alors. 8 alors. Voilà. Vas-y, abat, reste avec toi. Ouais, j'aime pas bien. J'essaye, Hop. j'essaye. Allez, mais Il j'ai reste pris. 98 dans le bateau avançant. Ok. Vas-y, moi je remplis ici. Ouais, moi j'aurais qui. Allez, Au on arrive. début, pendant un moment, j'ai hésité à faire un infiltré en crimi. Genre, en gros, au début, je voulais aller voir les flics, leur dire, bah voilà, j'ai des infos. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour pas crever? Et en termes de. Et marchander en fait de la thune. Parce que le but de ce perso, c'est qu'il se fasse le plus de thunes possible. Mais au final, je me suis dit, bon, c'est plus drôle de faire de la crimi. Autant faire un crimi qui est crimi. Je sais pas. Je voulais pas tenter un truc ribou ou une balance ou un infiltré dès le début en fait. Parce qu'au final, c'est que mon deuxième perso RP, donc je Moi, voulais je pas pense tenter qu'il un truc fallait de faire fou, mais. réparer son bateau parce que
Tu le bats avec lui? Oui, non, mais celui de Jackson, là, c'est le cousin. Et tu vois, ça va compliquer en un mois si tu fais bien, tu fais couler le projet. Bah, en fait, non, mais ça dépend comment tu pilotes en fait. Donc, comme eux, le requin, c'est pas leur délire, tu vois les bons qu'ils font comparé à nous. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu gagnes pas de vitesse hein, quand t'es plus bas. Ouais, après faire couler des quoi, couler des projets aux autres, c'est le RP ça, tu vois. Ouais, ultra long. Mais là, par exemple, tu vois, je vais voir les flics, je vais leur dire, bah voilà, je suis chez les Ghosts. Je vous donne des infos, mais compte de la thune. Voilà, je pense qu'il serait chaud, tu vois. Mais après, je sais pas pourquoi il y a pas des groupes qui font pas un truc. Rien de mieux, après c'est full popcorn bien évidemment, bah ouais. Rullier, pas tout faire hôtel, ouais bah ouais, je suis d'accord ça. Mais après tu vois par exemple, une connerie, mais je comprends pas par exemple pourquoi les Ghosts, ils font pas des coups de pute. Genre, ils s'arrangent pour faire un rendez-vous avec les Families. Et genre ils vont voir les flics qui leur disent bon ben là il y aura les Families, ils font ça et tu vois genre, je sais pas pourquoi il y a pas des coups de pute comme ça. T'es joué un perso que tu peux perdre du jour au lendemain, ouais. En vrai je pense que c'est un des RP les plus compliqués, un RP comme ça, mais je pense que ça peut être vachement drôle. Ouais, ils utilisent rarement, mais après ce serait vraiment sournois pour se débarrasser d'un concurrent qui te casse les couilles en vrai. Après nous actuellement les concurrents, à part quoi, ils nous cassent pas les couilles à proprement dire, ils sont juste sont juste plus nombreux que nous et plus rapides. Je suis désolé, je parle pas trop. J'ai des maux de gorge. Je suis vraiment désolé. Bah c'est plus vers 1002 que vers 1003, c'est juste en bas en soi, mais. Oui, non mais Mais après, oui, c'est normal que les gangs utilisent pas trop les flics parce que. Par définition quoi, t'imagines si ça sait après, genre je dis une connerie, la mano genre on fait couler la mano, on fait couler les Ghosts font couler la mano en utilisant ce stratagème là le jour où les autres gangs le savent, t'imagines le bordel que ce serait, genre il y a plus personne qui nous fait confiance, il y a plus personne qui veut travailler avec nous, il y a, tu vois. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, ce genre de choses se savent. Oui. C'est fou, vous entendez pas l'autre qui est avec son marteau piqueur là? Vous entendez pas un bruit de marteau piqueur dans le micro, ça va?
Franchement, si vous l'entendez pas, tant mieux, hein, mais... En vrai, c'est chaud, hein. Non, personne n'entend pas. Ah bon, bah tant mieux, en vrai. Putain, une boss, vous êtes la t'as pire. T'as qu'à acheter deux livres. Oh putain, des... merci, boss. T'inquiète, avec plaisir, bébé. Bah, démerde-toi. Non, je suis ta femme, connard. Ton micro, c'est de la merde aussi. C'est surtout la pièce où je suis que c'est de la merde parce que ça résonne. Après, tu te sens les doigts du cul et puis tu recherches tes informations et puis tu te roules. C'est ton bureau. Ouais. Bon, après, mon micro n'est pas non plus ultra bien. Hein. Bah, tu te démerdes en fait. T'es... Non. Après, mon micro non, n'est pas sensationnel non plus. J'ai changé de micro. Ah. Bah tant mieux si t'as pu changer de micro. Moi, je, le jour où je change, je pense que je... Sur Discord, ouais, bah ouais. Les sauts qu'ils font avec le bateau, c'est... Oui, nous, tout à l'heure, on a fait du sous-marin, non? Non. Ah bon, mais... Oh. Quand moi je conduisais. Non mais c'est moi qui ai fumé apparemment. Ça doit être d'avoir quand on a transformé. Ouais non. Y'a Nathan, il a dû me mettre 2-3 herbes médicinales sur le pif. Je sais pas. Ouais, alors, tu sais que le THC qui est dans la 2, ça passe pas par l'air. Ah mais ouais mais toi vous en avez. Putain t'en as dans ton. Dans ton bateau. Bah ouais donc du coup si les pilotes vous êtes obligés de monter avec nous Bah sinon faut que tout le monde non mais y'en a pas pour longtemps t'inquiète. Tiens d'ailleurs vraie question, dis-moi. Quand même, va éviter de courir quand même. Après, poser des questions. C'est vrai que ça marche aussi. C'est pas faux. C'est bon les ton bateau. Et deux. Hop. Le mec qui veut légaliser la weed côté crimi, c'est vu comment? Le bar, question intéressante. Alors nous les ghosts, ça fait que ça, c'est pris que quoi. En tout cas les ghosts, c'est pris que ouais, ça vole un bise et que si on peut plus travailler avec la weed dans le si on peut plus travailler avec la weed. En crimi, eh ben, ça ferait chier. Et qu'on... Une bonne chose de faite. Putain, c'est vrai que là, ça fait du bien, ça. On va peut-être en refaire une à 15h30, le temps que ça repousse un peu, comme ça. On va vraiment remonter le stock à fond. Ouais, j'avoue.
Il y en a 400 qui partent ce soir ou demain, donc... Ah oui. Alors, effectivement, il va falloir faire du stock. Ça fait des sauts dans tous les sens, ces machines. C'est très agréable à conduire. Faire que tu l'as en main, c'est un plaisir. Ouais, d'accord. C'est vide. Et celui-là, c'est vide aussi. Oui, là, ça va faire une bombe. Oh oui, putain. On est remonté à 700. Ouais, 785. C'est quand même pas. Ouais, il faudrait essayer d'avoir un peu. Sur 500 en plus, ce serait pas mal en vrai. Mais oui, vu que ce soir on en a 400 en moins, oui, oui. Ouais, ce serait bien qu'on arrive à se faire deux tournées. Ouais. Nickel, on a 785 qui est pochon. Ouais. Et à demain ou ce soir, non, les ballas. Bah, apparemment, on n'y retourne pas. Ils vont peut-être chercher à manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En vrai, c'est des vraies questions, mais... Ah oh bah non. Ah non, ouais. Ah, t'as pas une pommade, Bob, s'il te plaît? Et non, j'ai que dalle. Davis, t'as pas une pommade? Changer, hein. Merci. Ah, ben je vais aller au BCES, moi je pense, parce que j'ai glissé dans la montagne. Va te changer avant, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, donc... T'es dit beau comme ça?
Comment ça? Bah là j'ai pour 1000$ de trucs à Roger presque. Et... 260 bouteilles en plastique, 50 boîtes de conserve, 84 canettes écrasées, 21 préservatifs usagés. T'as des rougeurs, Bob. Et oui, c'est pour ça que je vais aller au BCES, j'ai plus de pommade. Ouais. Ouais, j'y vais vite. Ouais, je peux prendre un Evo? Yes, attends, je te file les clés. Ah oui, d'accord. 80 MT, s'il te plaît. Ouais, nickel, t'es au top. Et bien, je reviens vite. Vous voulez que je passe prendre des pommades au passage? Je veux que tu m'en prennes deux, ouais, s'il te plaît. Allez. Ouais, c'est pour ça que vous êtes. Bizarre à conduire cet Evron là. Non mais c'est vrai. Il a pas calé. Non mais sérieux, c'est une blague ce machin. Ah sérieux, c'est une vraie blague. C'est 4-4. Sérieux. Moto ou tortue. Ah oh, putain, c'est affolant comment ça se retourne. Vas-y, ça m'a saoulé, je me casse. Y'a personne. Y'a jamais personne. Je vais aller retirer. Je vais retirer 2000 balles, je vais prendre 10. Combien sur moi? J'ai 1300. Je vais aller retirer 2000.
Aïe aïe aïe, c'est trop dangereux ce machin, sérieux. Pour répondre à vos questions, discuter et vous accueillir. Oh. Je sais pas si j'aurais dû faire ça, hein, parce que... C'est trop dangereux pour moi, c'était vraiment. Yep, range-le dans ton garage. Ouais, d'accord. Ils sont partis où les autres? Il y a une partie qui est partie en GoFast, une partie qui est partie je sais pas où. Ouais, d'accord. Vincent il est parti et manger un coup et Adam il est en snake. Ok. Il y a peut-être une petite une PM ou un truc comme ça, non? Non. Ah là, il y a rien sorti, hein. Oui, d'accord. Oh, bête, tu veux des médocs toi? Je vais aller chercher un peu, je n'ai pas pris des centaines, non, mais... Je suis good. Ok, bah, je vais poser ça chez Jackson, alors. Tac. Du coup, on attend qu'ils reviennent du GoFast et on va. Je sais pas, on retourne sur le champ. Bah, ou... Non, on y retourne pas. Ok. Là, ça va être. Pause partie et chacun ira faire ce qu'il veut. Oui, d'accord.
fait des sups. On fait des sups, allez là. Est-ce que vous venez venir le moment ultra chiant où on va attendre là? Ben se fait des sup. Ah non, moi je fais plus de sup. Hein. Ah merde. Ah plus depuis la course, hein, c'est fini. Ah oui, à ce point-là. Oui, à ce point-là. Oh putain. Et à moins que tu saches conduire, j'ai aucun véhicule. Alors savoir conduire, c'est un grand mot, mais... On peut se débrouiller. Non, ah non, mais si tu veux pas. J'ai rien du tout, moi, pour conduire en plus. Mais si tu veux pas, de toute façon, c'est pas la peine. On va pas. Là, c'est bientôt là. Je pense que je vais faire une pause film, ouais. J'attends qu'il y ait de l'Orgo Fast. Et ça, pas de problème. Et si on faisait des sandwichs on fait je suis en train de réfléchir ce qu'on pourrait faire. Parce que les autres ils sont partis en go fast. Du coup, on va voir.
L'autre. Oui, je vais me mettre à l'abri, ça me fait chier cette pluie. Ok. Aïe aïe aïe. Ben, il est déjà reparti. Il est chercher ses armes. Ah. Ils sont toujours sur le go fast, la boss et Jackson. Ah, tu le vois aussi bien. Ah ben, ils arrivent. Ils arrivent. Nickel. Il faut que j'aille faire réparer ma 8F. Ah, je te demande ce que la boss va dire, moi. Probabilité d'arriver sur un go fast que les verts faisaient déjà. Sérieux? Ouais. Vous l'avez fait du coup? Après Que 5. Bah, une petite partie. Ah. Ok, d'accord. Que 5 de livrés, oui. Okay. Bah ouais, parce que les flics sont arrivés et j'ai préféré partir, il n'est pas pour nous en plus, mais... Bah bon, ouais, ouais, dans le doute. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire, ce soir il y a peut-être Cassie, c'est ça? Ouais, t'appellera dans... Qui t'appellera peut-être. Ok. Et je veux le voir et voir ce qu'il a un peu dans le ventre, et ça dépend ce qu'il a dans le ventre, et il y a un jour où il rejoint ce soir ou demain. Bah c'est très très bien, Cassie. Donc, ouais. De toute façon, il faut qu'on augmente les rangs, donc... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah oui, bah, c'est celui comme ça, hein. Bah, on est d'accord. Mais de ce qu'il disait, le souci, c'est ses horaires, quoi. C'est un peu comme Bob. Non, mais Cassie, c'est pas... Il était pas là pendant une semaine, hein. C'est Randy qui disait que les horaires, c'était problématique. Si tu regardes bien, Cassie, c'est... Cassie aussi, hein. Cassie variable aussi, oui. C'est ultra variable, c'est ce qu'il avait dit. Ah, voir, à voir. De toute façon, ça peut être variable pour tout le monde, hein. Comme on dit, bientôt, on serait peut-être pas dispo les après, donc j'attends en confirmation, donc... Bon allez, moi je vais faire ma sieste, je vais sans que c'est les enfants sages. Ça marche. Allez, on va être vilain, t'inquiète. On va juste aller attaquer la Manu. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est bon, j'ai rien dit. Aïe, il est marre. Oh. Mes lunettes. Allez, à ce soir. À ce soir, à ce soir. Un jour peut-être. Allez, on va attaquer la Manu et les Aztecas, super. Let's go. Et j'ai cru que c'était le pistolet qui foutait le feu là. Ah putain. Ouais, faut que j'aille réparer ma 8F. Si quelqu'un veut venir, let's go. Mais vas-y, allez. Davis, tu restes là, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je veux bien te jouer aussi à les snakes, je prends, je regarde des films. Ok, ça marche. Et eh ben allez, hop. Mais je sais pas si Jax, qu'est-ce qu'il fait.
Je sais pas ce qu'est Jackson Ibran. On sait rien du tout. On va bien voir. Man, il monte sur le toit. Il est sur mais... le toit, donc il va. Ils l'ont pris à quelle heure le gros fast? Je sais pas. Donc, ouais, en vrai, on a le temps de descendre et de remonter faire un gros fast si tu veux. Oh bah, let's go! Wow! Par contre, plus jamais je conduis un Evron de ma vie. Ah ouais, tu t'es retourné? Ah, je m'en suis retourné deux fois. C'est une enfer. C'est vraiment le bordel, les bons. Ah ouais, non mais. En fait, il faut vraiment bien doser l'accélérateur et tes tournants. Il suffit que t'accélères ou que tu tournes un peu trop sec dans un virage et t'es baisé en fait. Et ça, ouais, c'est le souci. Quoi. C'est vraiment affreux. Ouais. Allez. A 8F à fond bas là. Exactement. Ah, de toute façon, la 8F, jamais je roule au limiteur avec. Hein. Ouais, il y a le souffle quand même. Bah ouais, sinon le moteur il va crier à l'aide là. Mais oui. Autant déjà avec la Telegator S, quand j'étais parti avec les armes en attendant la perquis là, il y avait le moteur qui criait à l'aide parce que je devais rouler au limiteur quoi, tu vois. Oui. Rouler pour me fondre dans la masse. Ah oui, nickel. Et ben c'était pas passionnant. C'était pas passionnant. Aïe aïe aïe. Dès qu'on m'a dit c'est bon, c'est la paire qui est passée, tu peux remonter au camp, j'ai fait des gros drifts et je suis remonté à fond. Putain. Yes! C'était ça quoi. Enfin libre! Hallelujah! Oui. Oui, Davis! Ok, vous allez vous coucher très bien. Oui, à tout de suite! Oui, à ce soir quoi. Oui, ça marche. À tout à l'heure. Hop. Il y a Davis qui va se coucher aussi, donc on est deux. Oui, d'accord. Potentiellement Vincent qui va revenir après. Oui. Moi, après, à 17h, j'ai... Ouais, bon, pas de soucis. Je serais peut-être parti même pause. Un peu avant. Je serais même parti vers 16h30, ça se trouve. Yes. Oh, faut que je trouve un moment pour aller voir mon ancienne coloc aussi, qui voulait me parler d'un truc. Une ancienne coloc, celle qui travaille au Black Hat là? Ouais, c'est ça. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler d'un truc. Je sais pas quoi. Tu veux que je vienne là? Non, non. Non, bah justement. Je préfère aller la voir solo. Oui, donc. Donc je sais pas ce qu'elle veut. Si ça se tombe, c'est juste parler de ses problèmes de vie et du monde civil. Je vais pas embêter quelqu'un avec ça. Bon, moi je m'en fous. Ah oui, toi je me doute bien que tu t'en fous. Pardon, je pense que le but c'est pas non plus qu'il y ait d'autres gens quoi. Mais what? Qu'est-ce qu'ils ont branlé ces débiles je avec leur pas. Panto? Je sais pas. J'ai vu une Panto faire des vrilles piquées. On aurait cru du patinage artistique. Patinage artistique. Tu vas aller à la place des cubes aussi pour leur dire bonjour ou pas? Et bonjour! Bonjour. Du coup, vous nous donnez combien pour qu'on vote pour vous? T'as déjà fait les votes, je crois. Oui. Ouais. Oui, pour le goût. Hier, ouais, c'est vrai. On a voté pour Blake et machin, et de coq. Je ne sais rien, moi j'ai voté pour celui qu'on m'a dit. On nous a dit, voter à nouveau. De toute façon, les autres ils veulent légaliser la 8, donc ça nous arrange pas, tu vois. Ah ben oui, c'est sûr que ça nous arrange pas ça. Voilà. Après, si ta coloc elle donne des. Si ta coloc elle donne des petits tips pour taper le Black Cat quand il vide la caisse, ça peut être bien. Hein? Ah ouais, pourquoi pas. Ça m'étonnerait. Ouais, Tripouille! Comment tu vas? Nickel. Dis-moi! Oui. La même chose que d'habitude, donc 10 000 et 28? Ouais, vérifie au niveau du sol. C'est bon. Bob, tu peux me noter ça sur la compta? Ah, je suis entré. Nickel, merci.
Alors, je suis dans le sud, donc faut que je remonte donc d'ici allez, 10-15 minutes, comme d'habitude. Ok, on fait comme ça. Allez, nickel à toutes. Ouais, point de rendez-vous normal. De toute façon, quand c'est indifférent, je t'envoie la pause. Hein. Ça marche. Allez, à tout de suite. Alors, attends. J'ai... Parce que ça, c'est pas un grain d'automatisme que j'ai. Du coup... D'accord. Là, en gros, il a 10 000 de salles, il reprend 20. 10 000 de salles. Ouais, 10 000, c'est ça. Ouais, oui. Il reprend 20, du coup, on lui doit 3 200 $. 3 200, oui, c'est bien ça. Et pour le moment, on attend. De quoi on attend? Et bonjour. Comptez-vous? Oh, ça va, tranquille. Et bonjour, ça va et vous? Moi, ça va, nickel. Eh ben, parfait. Même ça va nickel, c'est l'essentiel. Il y a un petit peu d'activité au Béniz. Ouais, ça tourne. Tant mieux. Et mais il y a quoi? Et il y a deux flashs GT, on dirait les mêmes. Pareil les deux, c'est bien. La crash est secondaire de des deux flashs que je connais. Il y a juste les rétros qui sont différents, mais sinon c'est la mieux. C'est pas la même couleur. Là c'est un non, c'est pas la même. Et là c'est un bleu. Ouais, mais vous savez, moi les couleurs c'est un peu complexe. Hein. Ah, ok. Du coup, ouais. Ça c'est une machine pour monter sur les dunes de sable. C'est une. Un coup de chou drag, ouais. Ça roule bien ça. Ah ouais, ouais. Ouais, sur la route. C'est pas sur la route uniquement. Ouais, en off-road, je ne risquerai pas. Quelque chose, un truc comme ça. Oui, je te vois. Mais... Oui. C'est sympa le bénéfice. C'est une moto pour se tuer, ouais. Ça va, tranquille et toi? Et ben, on est tout bon, et ben, bonne journée. Allez, ouais, nickel, bonne journée. Excusez-moi, je veux. Non, mais il est où? Ah ouais, c'est vrai. Le pare-brise, ah oui, c'est vrai que le pare-brise il est toujours pété. Oui, s'il vous plaît. Et il y a tout le côté éclaté. Ah oh, ouais, non. Pour ouais, moi ouais, en tout cas. C'est la 8F. Bah ouais. Et bah toi aussi. Là c'est plutôt le repos, j'ai l'impression pour toi. À moitié. Ah nickel, là c'est parfait. Et bah bonne journée beaucoup. En top. Parfait, à toutes. Même du coup, là, pour le moment, il n'y a rien d'autre à noter, en fait, sur la compta. Bah, en fait, tu peux déjà noter, si tu veux, la partie comme quoi il reprend aujourd'hui, tu vois. Ah ouais, ok. Comme quoi il a repris aujourd'hui, tu peux déjà valider ça, et tu peux déjà commencer à le noter dans blanchiment, en fait. Donc le 28, c'est la dernière fois où il a commandé, et du coup, dernière livraison, je peux noter aussi, le 28. Ouais. C'est ça. Hop. Et je peux noter dans blanchiment, tripouille. Voilà, tu mets 10 cassales, plus 20 weed, très PM, tripouille. Et tu notes le truc en vert et en rouge. Adam. Voilà. Je peux même noter dans ma caisse noire le moins 3200, tu vois. 20 weed tripouille. Voilà. Et après, faut que je note. Donc, en rouge 6000, en vert 2800. Voilà. Et dans les PM, dans le blanchi à Adam, à en moins. Du coup, ouais, c'est ça, dans la case rouge. Je mets 3200. C'est ça. Et le go fast, il est à quelle heure? Et go fast. Attends, je suis. 15h12. Ben à 42, quoi. 42, ouais. Mais tranquille. Ouais. Vaut mieux on aille tous les deux sur le. Oui, voilà. Bah moi je préfère. En fait, c'est toujours mieux de rester à deux, tu vois. Mais oui. D'un côté, c'est plus sécurisé, et de l'autre côté, on se fait moins chier. C'est ça, c'est sûr. Putain, j'ai toujours pas mis la ceinture. Oh. Bah, heureusement que je roule pas comme un culé et que je tape pas tout. Et c'est bon, je l'ai mise. Ah, mais ça, c'est ta coloc qui veut te voir qui vient me fermer le Black Cat. Oh non, je pense pas. Je sais même pas si elle est là.
franchement, l'appart où j'étais, il me manquerait presque. Hein. Ah oui. Ah, c'est pas le même confort. Hein. C'est pas le même standing. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'avoue, ah non, on est bien là où on est, hein, tu vois, je m'en fous. Moi, j'ai jamais vu autre chose que la chambre d'hôtel. Mais l'appart était vraiment bien, tu vois. Ah oui. À Los Angeles, là où j'habitais, c'est pareil, c'était une chambre d'hôtel de merde. Vraiment cool. Et... C'était un appart sur 3 étages, là. Ah oui, putain. Ah oui, un triplex, c'est même pas une duplex, c'est une sur 3 étages avec la salle de bain qui faisait la taille de nos apparts actuellement. Ah oui, putain, d'accord. Ouais. Ah oui, à 2 c'est bien, à 3 c'est mieux, quoi. C'est vraiment ça. C'est ça. Ding. Bon, on était que 2 dans l'appart en plus. Hein. Oh là là. On pouvait être jusqu'à 5 dedans. Ça, vous étiez que tous les deux. Et elle, du coup, après, ça. Elle a racheté l'appart, c'est ça? C'est ça. Elle, quand je suis parti habiter avec la boss, là, elle a racheté l'appart. Putain, mais ça gagne combien le Black Hat pour qu'elle rachète? Ça coûtait 450 000 l'appart. Putain, mais combien il gagne au Black Hat pour pouvoir racheter une appart comme ça? Elle était à Human avant. Et donc, elle s'était fait pas mal de thunes à Human, tu vois. Putain. Donc ouais. Je suis sur le cul. Ouais. Et moi j'ai au SHMS, je me faisais plus de 100 000 balles par semaine. Hein. Oh là là. Ouais. En fait, je me faisais environ 130 000 balles par semaine juste avec la prime, tu vois. Putain. Je crois qu'il y a une semaine où j'ai fait une semaine à 200 000 une fois. Ah oui, d'accord. Mais parce que j'étais souvent là, tu vois. Ouais, oui, non, je vois, mais... Et que je me prenais, je pense, par semaine, il y avait un jour où je bossais pas du tout, tu vois. J'étais en ville, mais je bossais pas. Et au moins une autre soirée où je bossais pas du tout, quoi. Mais je me forçais pas à aller au taf, quoi. Oui. En 25 minutes, tu fais 300 planches, et 300 planches, quand t'as le quota maximum, ça te coûte... Ça te fait 3000 de prime. Ah ouais, ça prend 25 minutes à faire, donc 300 planches. Donc le calcul il est rapide, quoi, tu vois. Enfin, tu montes assez vite en tout. Ah oui, putain, mais moi qui suis. La dernière fois, là, moi qui disais au gars à la Syrie, putain, faut venir vendre, les gars, de toute façon, pour se faire de la thune, il n'y a que comme ça que ça marche. Moi, je peux tenir ce discours-là. Hein. Maintenant, moi, je leur dis, hein. S'il y en a qui hésitent, je leur dis, oui, bah, tu te feras plus de thunes dans le civil. Maintenant, tu vas te faire chier. Ah ouais, non, mais je savais pas qu'il gagnait autant, j'avoue. Ouais. En vrai, ça dépend des entreprises, hein. Y a des entreprises qui gagnent quasi rien. Genre With The News, tu le fais pas pour la thune, hein, tu vois. Ouais. Parce que t'as les livraisons superettes qui rapportent de l'argent aux entreprises, mais les articles qu'ils font, ça rapporte pas d'argent, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc je sais même pas si c'est pris en compte dans leur quota, tu vois. Oh putain. Oh, ouais, ce bordel. C'est un bordel, tous les calculs d'entreprise là. Hop, allez, je vais te prendre les Vinweed. Yes, ça marche. Ah, tu sais quoi, attends un peu. Oui. Prends le GoFast en même temps. Ah ouais, bah oui, je suis okay. Quoi. Oui. Et salut mon beau, comment tu vas? Tu vas bien? Bah, t'as mieux, si ça va. Allez hop, on est parti.
Je n'ai que 29 sur moi. Ok, on va faire l'évasion de la petite main d'abord. Oui. D'accord. Et on remonte faire le go fast. Le go fast c'est au point Y. 27000. Ouais. Comme ça t'auras moins de lead sur toi quoi tu vois. Oui. Si jamais on se fait topper ou quoi tu vois, c'est mieux. Oui je vois. C'est pas faux. Putain mais en fait elle se salit super vite la voiture. Ouais ouais ouais. En même temps, le fait qu'elle soit mat, ça aide pas. Hein. Ouais, c'est tu vrai que le gris, c'est salissant aussi. C'est ça. Qui est là ? Pour bien faire sur la... Oh ! La gastro, vite! Oh merde, j'ai rien du tout! J'ai rien du tout! C'est bon, c'est bon, c'est même bon. Pas. C'est bon, t'as pris un truc? Ah, boom beat! Voilà! Ah! Ouf. Ah, j'ai vu tout flou d'un coup là! Ah oui! Fais gaffe, tiens-toi bien droite, hein. Sinon tu flashes. Ouais, 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 t'inquiète. Je pense que ça m'arrive en pleine CP. Ah, ben non, ça c'est sûr! Je suis baisé! Ah, mais oui! Je pense à terme faudrait avoir. Je vais prendre deux élégies. Pourquoi deux élégies? Mais parce que une pour le groupe et une en plaisir. Une aux couleurs du groupe et une en plaisir. Nickel. Oh, j'hésite vraiment. Entre la 190Z, me la prendre quand c'est possible ou alors attendre pour une comète rétro custom. La comète rétro custom, je vais jamais survivre la custo en fait. Ah, pourquoi? Je sais pas, ou alors ça va me prendre une plombe quoi, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ah ben oui. Elle est à 265 000, ça veut dire que déjà il faut au moins... 466 000. Il faut... Ouais, plus. Ouais, c'est 5 000 à peu près. 520 000, un truc ainsi, 530 000 pour la full custo. Oui. Plus la custo visu, mais sachant que sur la comète rétro custom, t'en as une chier des trucs à faire quoi. Ah oui. Ouais, d'accord, je savais pas. Bah je crois, hein. Je ne sais rien, j'avoue, je connais pas. Quoi, t'as une chier de trucs à faire dessus. Donc tu comptes, c'est une custo à 30 000 balles, quoi. Oui. Bah franchement, j'hésite. Hein. T'imagines de deux élégies rétro custom full. Ah ouais. Oh le délire. Eating. Perdre la CP, là. Putain. Les petits go fast en Lady. C'est trop bien. Après, vitesse de pointe, c'est pas tant que ça, eh. Ça roule à 200, max. Ouais, mais c'est super maniable, en fait, les vigueurs de custom. Oui. Elle chasse un peu du cul, non? La Lady. Et... Non, en fait, elle est comme la 8F. Il y a des moments où c'est bizarre. Ah, ok, d'accord. Il suffit que t'aies trop de petites bosses d'un coup et ciao, tu contrôles plus rien. Ouais, on fera après le go fast. D'accord. Hop. Je remets le point dessus comme ça. Ouais, ouais, ouais. J'avoue que j'ai même pas regardé où il était en plus le point. J'ai même pas fait gaffe qu'on passait là. Non, je l'appelle vite fait. Oui. Pour voir s'il est là. Ouais. Non, non, mais t'inquiète, on arrive aussi. Juste pour te prévenir qu'on était presque là. Hop, va direct sur le parking derrière, hein. Je fais pas chier. A toute. Hop. Nickel! Hop là! Salut! Oui, salut! Yo, Tripo, comment ça va? Ouais, ça va, à part que là j'ai reçu un coup de téléphone des gens qui me démarchent là pour des sites internet et tout, ça me casse les couilles. Bob, t'as 1000 balles vite fait? On est pas passé à la banque là. Non, t'as combien? J'ai 500. File-moi les 500. Je les repasse après. Tranquille, y'a pas de problème. Nickel! 682 carrément. Nickel! Vas-y, je vais me filer le sale.
Voilà le linge. Okay, ah, j'aime bien dire le linge. T'aimes bien dire le linge. Ouais. Tu viens blanchir ton linge. C'est ça, ben ouais, je le passe à la machine. Et acheter des salades. Voilà. Voilà. Des t-shirts verts après. Ouais, on aime pas trop le vert. Hein. Ah ouais. Merde. Ouais, non. On aime bien la weed, mais le vert, pas ouf. Hein. Hoppa. Voilà pour ah toi. Ah ouais. Ouais, parce que. Ah ouais, je comprends pourquoi ouais, t'as. Ouais, ouais, ça y est, ça. Ouais. Et ben nickel. Tu m'as tout donné là, ça y est. T'as eu les 20 druides oui, ouais. Je les ai donné. Ouais, je t'ai donné les 3200, bah on est bon du coup. Ah ok, non, mais c'est moi, j'avais pas vu. Mais c'est ouais, cool. Ouais. Et ben nickel alors, c'est parfait. Et ben on se revoit dans la journée du coup. Oula, je t'entends. On l'a perdu. Ah ouais, je crois on l'a perdu. Mental breakdown. C'est compliqué là. Tu me permets d'essayer un truc? Tu veux le taser? Oh, j'ai pas de taser. Ah bah non. Tu veux faire quoi? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, on s'éloigne un peu, Je voulais torquer, mais. Tu voulais quoi? Ah. Ah, c'est bon, il est de retour. Ouais. Nickel. Alors, là. Ah, ben non. Nickel. On va faire le go fast. Allez. Vas-y, prends la 8F. T'es gentil, tu lui fais même le plein. Quoi? Tu lui fais même le plein. Ah merde, mais. T'es gentil, tu lui fais même le plein. Bah, c'est parce qu'elle a plus d'essence quasiment. Ah. Hop. Bah, ce sera une banque après. Oui, on fera aussi. Vas-y. Vas-y, va faire le go fast, je t'en joue. Oui. On va passer à une banque. Ouais, on va une banque. Attends, je fais juste la compta. Hop, voilà, comme ça c'est 71, fini. 71, 75. 75. 71, 75. Allez hop, c'est noté. Je te suis.
je vais prendre quoi, 2000. Allez, je vais prendre 2000. Et hop. En avant. Qu'est-ce que... Oh mais on s'en fout. Ça me va les couilles. Ouais. Ah, il est de retour. Allez hop, on les ramène. Oui. Ouais, voilà, voilà. Ah, moi j'ai une BF quoi, comme auto, donc c'est pas pareil du tout. Ah, ouais, c'est une un petite peu américaine, quoi. C'est sympa. J'aime bien. Ouais. En vrai, j'hésitais à m'acheter la Nightblade à un moment et je l'ai pas fait. D'accord. C'est pas mal comme moto. Oh bah nickel alors. Oui. Mais ouais, nickel. Mais merci à vous les gars. Allez, pas de rien, mec. Hein. Plaisir. Allez, à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Ouais. Je crois qu'il faut repasser au Venise. Ouais, ouais. J'ai fait une connerie. Il y a un petit côté Orelsan de tension, non? Ouais, un petit côté Davis, un petit côté Orelsan, un petit... Ouais, ouais. Radar. Niqué. Ouais, trop tard. Je mettrais un gros coup de frein pour pas prendre le radar, mais je l'ai pas fait. Ouais, je comprends. C'est quoi ça? Putain, j'avais jamais vu ce machin. On a un type qui nous a rapporté des liasses une fois. Il roulait en camping-car. Putain. Mais du coup, c'est cool ça. Ça veut dire que le principal. Comment? Le principal. Merde. Journal de la ville, c'est tenu par la femme du chef des Vagos. Du coup. Ouais. Ah, quelque chose près, c'est. Ville, elle était à la mairie, quoi, donc au secours, hein. Oh, putain, mais les Vagos, en vrai, ils sont tellement bien! Ouais, ils sont mis bien, hein. Mais ouais. Les Vagos, en vrai, putain, les passent. Ah bah. Ouais, ouais, oula, on peut encore reconnaître qu'ils sont bons. C'est ça, quoi. Non, mais c'est un délire, hein. Tu réussis à placer quelqu'un en mairie, c'est trop bien. Ben ouais. Ah peut-être un jour on réussira à placer quelqu'un en mairie. Hein. Peut-être pas en tant que maire, tu vois, mais rien qu'en tant que conseiller ou quoi, s'il a accès aux adresses de tout le monde, moi ça m'intéresse. Hein. C'est où les barnasses que je vole leur putain de... leur garage, à go. À mon avis, vas-y, pour voler leur garage, bonne chance. Hein. Moi, je pense qu'il est mieux gardé que la garde nationale, le bordel. Ouais, c'est ça, je crois bien. Ils ont des gardes armés devant le portail. Putain. Ça doit habiter dans une villa, hein, les parnasses. Je sais pas. À mon avis, une des plus grosses. Hein, c'est sûr qu'ils doivent pas habiter le dans le... 4, ça brasse au max. Hein. C'est sûr qu'ils habitent pas dans le camp des communistes. Si. Dans le parking. Ni dans le camp des... Et bonjour. Bonjour. Rebonjour. Ça coûte rien. Bonjour, voilà. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh bah écoutez... Nickel. Au top. Formidablement bien. Peu chier, c'est vrai que ça va plutôt bien. Ah, là là. Ah c'est mes origines, désolé. Ah ouais, pas oui, du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Oh là là là. Ah, moi non plus, j'ai pas du tout d'origine du sud. Et moi aussi, je viens du sud de Los Santos. Et par tous les chemins, tu y reviens. J'ai habité à une époque dans le sud de la France avant de partir dans le Texas. C'est où la France? C'est en Europe. Plus beau pays du monde. Ouais, d'accord.
L'Europe, le plus beau pays. Non, la France, mais non, mais l'Europe. Ah, merci, ouais. Quand même, je connais un minimum ma géographie. On sait jamais, on sait jamais. Bah, ici. Mais la France, à côté de la Chine, vous voyez. Si, c'est pas la... C'est pas la... Comment... Le pays, c'est Paris, non? France, c'est la ville. C'est ça, tout à fait. Ah, ouais, c'est ça, je crois. C'est un petit truc bizarre, là. Au pays de Paris. C'est ça. À Paris. Ah, bonjour. Au pays de Choupi. Moi, je sais parler parisien en... Ouais, en... Carrément. J'ai envie d'enfoncer des... Ça change de Texas quand tu travailles avec le vache. Yeehaw! Yeehaw! Allez, bonne journée. C'est vachement bizarre. Ah ouais, c'est vachement bizarre. Le craquage, c'est tout le temps bizarre. Moi aussi. On fera le plein point ice. Ah oui, merde, je t'ai pas fait le plein du coup. Ouais, t'inquiète. Hein. En même temps, tu m'as filé la thune qui te restait. Donc forcément, t'as pas fait le plein. Ah oui, j'ai 14 500 dollars quand même. Sur toi? Mais oui, quoi de lire ça? De ça? Ah, de ça? Oui. Vas-y, tu sais quoi, tu peux me filer le sel ou alors je te file le mien, c'est comme tu veux. Mais comme tu veux, ça fout en vrai. Si t'as envie de faire la compta en rentrant ou pas quoi. Oh, bah ça me va, moi, ça me dérange pas. Alors, du coup, on va faire. De toute façon, là, j'ai tout noté ce qu'on avait besoin de noter. Bah, normalement, sur, oui. Sur le PM, sur le Blanchi, sur le GoFast. Mais bah, c'est bon là. Ah, ça va, la ferme, ils ont pas fait comme le vignoble, ils ont pas sorti 12 000 camions. Attends, je pense qu'elle est à 12 000 en sup, ça sert à rien. Ah ouais, non, mais hier, vraiment, moi, quand le vignoble, ils m'ont mis sur le cul. Déjà, quand on y allait à 4, ça me gavait parce qu'on devait changer plein de fois de sup. Ah oui. Tu vois, moi, je préférais me poser à une sup, vider mon camion, et puis en faire une autre un peu après. Ah oui, je vois. Ou alors, t'y vas à 3, et du coup, dans ce cas-là, tu pouvais remplir... Je pouvais remplir la sup et finir sur une autre sup en remontant. Ça c'était pratique. Oh oui, d'accord. Voilà. Moi je préférerais les vider les sup, mais après. Ouais, moi aussi. C'est vrai que c'est beaucoup plus marrant que de les remplir. Mais je sais pas pour le coup, j'ai jamais rempli, mais. Ouais. Nickel, on peut relancer. Ah ouais? Dans 12 minutes, on peut relancer. Non, dans 10 minutes, on peut relancer, je crois. Oh bah, tant mieux. 42, ouais, c'est ça. Ça va faire. Ça va nous permettre de charbonner, là, un peu. Faire un petit peu de thune. Oui, oui. Ce soir, normalement, on a un Blanchi à aller faire. Ah oui? Ouais, je crois. On est encore à 600 et quelques mille dans le bar, non? À moins que ça ait été fait tout à l'heure. On a 5 V1000 dans le bar. Ah oui, donc ça a été fait. C'est que le Blanchi a été fait. Bon, bah nickel, on va pouvoir faire des go-fast pour remonter tout ça, du coup. Et du coup, ça, après, faut aller chercher la thune là-bas, non? Le blanchisseur, il envoie direct sur le compte? Ah, comment en fait, ça va je sais pas comment en fait, ça marche, le blanchiment, ça se fait sur Caillou. Oui, ça c'est bon, j'y suis déjà allé une fois. Donc tu vas au blanchiment, tu reviens au bateau, avec la thune que le blanchisseur t'a donnée. Et tu déposes à la banque, quoi. Ah oui, c'est vrai que... Putain... Ça tabasse leur merde, là. Les steaks, ils sont, ouais. Ils sont passés à combien, c'est con? Sérieux? Je sais pas, ils étaient au moins à 150-200, là. Putain. Entre les deux, quoi. Mais ouais, le rustique, c'est une dinguerie. Hein. Surtout celles de la SAHP, elles sont faites pour l'autoroute, tu vois. Ah oui, d'accord. On discutait un peu avec un agent une fois qui nous disait que chaque service avait des prépas différentes sur leur voiture. Ah oui, putain. Ouais. Elles sont vraiment faites pour la ligne droite, celle de la SAHP.
Une des prépas différentes, putain, mais le mécano qui entretient ça, il faut pas qu'il... C'est fait chier hein, pour faire ça, à mon avis, le mécano. C'est un fou le mec. Le mec qui s'est dit, alors toi en fait du coup je te mets un pignon plus grand dans la boîte parce c'est que ça. Bon faut que t'ailles plus vite, toi je te mets un plus petit parce que bon faut que t'aies de la reprise. Putain oh ce bordel. Toi Léonore, on va te mettre les suspensions un peu mieux parce que les boissons c'est ce que ça donne. Ah putain le type, sérieux, il change une boîte de vitesse, sur les boîtes de vitesse de rechange il doit marquer si c'est un SHP ou un autre parce qu'il sait plus après. En fait, il a tout un tas de boîtes avec des étiquettes et son HP, PC, SO, c'est ça. La boîte quand de c'est Marshall, on met tout. Ah oui, quand c'est Marshall, fait tout ton max. C'est ça. La voiture, elle vole si c'est Marshall. Oui, elle touche pas le sol. C'est ça. Bonjour. Et parc rangé. Eux, ils servent à quoi, en vrai? Ils comptent les marmottes. Ah oui, c'est des cons, quoi. Quoi, ils servent à rien. Ouais, c'est ça. C'est un emploi fictif. D'accord. Ils sont là pour veiller à ce que la faune et la flore se portent bien, mais je pense pas qu'ils fassent grand-chose. Ouais, du coup, ben bah, oui. Moi, je les voyais passer tous les jours au SHMS, ils faisaient aller les gyros quand ils voyaient des lapins. Ah oui, chaud. Ouais. Et une fois, ils nous ont même renversé en passant en plein milieu de la transfo, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Putain. Ah ouais, c'est un délire. Hein. Il est nickel, pile poil de quoi l'épicer. Oh. Hop là. Voilà, tu peux aller pisser. Oh bah, eh ben je reviens vite. Moi j'ai une mallette. Parce que ah bah oui. Ah bah attends, oui, bah, je vais pisser ouais, puis je vais vous... pisser, tu poses la mallette quoi. Oui. Je reviens, mesdames et messieurs, j'arrive! Yop. C'est la première fois que j'ai une mallette de ma vie. À 12, on peut lancer. À 12 ? Ouais. Ah, il est pas encore 12. Ah, je pense que c'est plus.
Ah là là. Oui, go fast, on l'a pris à 42, 42 ouais, plus ouais, 30, 12. C'est vrai. Il y a Davis qui va aller faire sa nuit, je crois. Ah. Ouais. Il m'a envoyé un petit mail là. Il a dit t'es tout seul, frérot. Non, il m'a dit je vais faire ma nuit. Ah oui. Mais je tiendrai pas ce soir, il faut que je dorme. Oui. Puis en même temps. Il compte se réveiller à 5h du matin là. 5h du matin, putain, ça fait une sacrée nuit ça quand même. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, bah ça fait 12h quoi, hein, presque. Putain. Ah ouais, il dort pas souvent, mais quand il dort. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, hier au soir, j'avais envie d'aller me coucher, et puis on a été faire le Blanchi en bateau là, on a été voir Tripouille une autre fois. Et au final, on est resté jusqu'à. On a eu fini à 2h du mat parce qu'on s'est mis sur la gueule après. Donc ouais. Ça va, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Oui. Ah là là. Faut faire quand même attention, mais. Oui. Non mais j'ai jamais dormi beaucoup. Mais vas-y, si tu veux, cette fois c'est toi qui prennes. Comme ça. Ouais, on peut faire ça, comme ça tu conduis. Ouais, tu veux genre la 8F et tu prends ta sub-temps ou tu veux conduire la 8F? Ah ben j'ai. Et ça dépend aussi. Parce que si c'est dans le sud, comme ça je fais réparer la Sultan. Ok, tu sais quoi, je vais ranger la 8F et. Je vais prendre la Sultan. Parce que la Sultan, faut que j'aille la faire réparer. Ok. Puis si on n'a pas de petite main à voir, ouais, vrai, bon, on verra. Ça suffit. Hop là. Ouais, il est que 11, j'ai encore une minute. C'est pas fou ça. Après, faudrait que je voie un peu ce qui est possible à faire là-dessus, quand même. Sur la Sultan ? Oui. C'est pas du tout ce qu'il y a comme custo. Oui. Mais je dois avoir des bandes blanches, sûrement. Je regarderai quand j'aurai full custo en fait, je pense. Ouais. Parce que bon. Déjà il faut. Du moment qu'elle est aux couleurs, c'est le principal. Hein. Oui, bah oui. Déjà je vais attendre. On a toutes les voitures aux couleurs. Sauf la. Enfin, si, même là ici de la bosse en fait, elle est aux couleurs. C'est juste elle a une nacrage. Ouais, elle a le nacrage doré. C'est nouveau ça, d'habitude il passe jamais là lui. Où ça? L'avion? L'avion, ouais. Si, y en a un qui passe souvent. Ah oui? Putain. Ouais. Sacré, j'avais jamais fait gaffe. C'est comme l'hélico là-bas. L'hélico, en face, ouais. Ouais. Ouais, non, mais celui-là, j'avais jamais fait gaffe, sacré. Ouais. Moi, je vais aller voir. Oui. On se met dans. Tac, on va à. Et où? Oui. Oh bah en 10-12. 10-12. Ouais, les custom là. Noter ça sur le tas. Hop, je vais modifier l'heure aussi de ton GoFast.
De quoi? Ah merde, j'ai mis 14h12 au lieu de 16h12. C'était à 15h, ah ouais, merde, ouais. Putain. Je suis con. Fais le plan avant le go fast. Ouais. Sanglier! Il y en a un des fois sur Grapseed qui se balade en courant en plein milieu de la route. Ah oui? Putain, à chaque fois, il n'y a pas moyen. Oh bah. Je sais pas si la RS classique elle se conduit de la même manière que la classique. Mais au moins c'est la RS classique, eh? Ouais, ouais, mais on avait une Sultan classique avant. Ah, une Sultan classique. C'était celle de Joe. Ah, mais 4 places là. Ouais, c'est ça. Ah, et je voulais prendre. Elle était à Lucas. Je voulais la prendre celle-là, mais. Ouais, elle est plus chère, je crois. Ouais, elle est plus chère. Beaucoup trop chère. La RS classique est pas mal non plus. Ouais. Mais en fait, moi j'étais parti du principe que j'aurais jamais 10 000 personnes avec moi. Bon, ouais. Bon, c'est vrai. Ça m'aura fait mentir, mais. Oui, bah actuellement oui. Maintenant, est-ce que t'envisagerais de rejoindre un groupe? Il y a ça aussi la question. En fait, moi je me doutais pas, hein, j'avoue que. Ouais. Bon, moi non plus. Moi j'étais parti pour me faire le plus de pognon possible et c'est tout, ouais. Ouais, moi j'étais parti pour faire pour faire un petit vie tranquille en fait, tu vois. J'avais quitté le SHMS 2 semaines avant. Ouais. Enfin, 3 semaines, 2 ou 3 semaines, je sais plus. Enfin, bref, j'avais quitté le SHMS et je me suis dit, bah, je me vends dans la rue, tranquille, je vais faire quelques subs, quelques dabs, vraiment posé, quoi, tu vois. Ouais. Bon, les petits ennuis avec la police, avec les autres groupes, si ça venait à arriver, bon, voilà, c'était comme ça, je fais partie du métier, quoi, j'ai fait ça comme ça. Ouais. Mais j'envisageais pas de rejoindre un groupe. On m'avait proposé, New Low m'avait proposé, je leur avais dit, bon, on verra, pas sûr, les gars. Ah ouais, moi les New Low ils m'ont proposé je sais pas combien de fois aussi. Bah ils m'ont en fait c'est parce que je connaissais bien Paul. Ah ouais, ben moi je connaissais bien Archie. Parce que j'avais taffé avec lui au SHMS en fait, tu vois. Oui. C'est devant, au niveau des petits escaliers. Ah, là. Et du coup il m'avait proposé il voulait que je gère des trucs avec lui, quoi. Oui. Oh non, mais c'est sérieux! Putain, j'ai chopé la chiasse! Ah, j'ai cru qu'il y avait les flics qui arrivaient. Oh non. Et voilà! On passe à la pharmacie si tu veux. Enfin, BCES. Ouais. À côté. Mais oui. Allez. T'as pas d'antibiotiques. Comme ça, après, on va à la pharmacie, tranquille. En ouais. Le temps, quoi. Ouais, de toute façon, on n'est pas pressé. Tout à l'heure, j'ai pris un peu à la pharmacie. Ouais. Moi, il me refaut des médocs. Ouais. Oh merde, c'est vrai, c'est là. Oh là, hop. Là, comme une sac à merde, c'est parfait. La démarche de vieux, là. Mais je serre les fesses un peu, quand même. Mais serre bien. Mets un bouchon. Ouais, nickel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le hall? Ça a pas l'air. Super. Bah, c'est ouvert, au moins. Attends. Oui, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Sinon, on va là. On va attendre. Hein. De toute façon, on a 30 minutes. Et là, il n'y a pas de PM qui m'appelle, donc. Chaque fois, j'ai un spasme. Bah, t'as eu un spasme. J'essaye de m'asseoir, mais. Mais c'est les doigts qui sont venus.
Je fais un petit snake vite fait. Oui, pas de problème. Et voilà. Oui, fracasse. Là, je me souviens quand la boss m'avait demandé. En fait, à la base, je venais faire un blanchiment tranquille, quoi, tu vois. Oui. Et c'était James qui était là à l'époque qui me dit il y a la boss qui veut te voir. Et j'étais en mode ok, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? Ouais. Un peu en stress quoi. Et après, après le soir, bah, je les ai vus. Elle m'a demandé si je me sentais prêt à rejoindre un groupe. Je lui ai dit non. Et elle m'a dit bah, ok, pour lundi, tu me fais un maximum de liasses. Ah oui, mais toi, oui, mais pareil que moi au final. Voilà. Et du coup bah ça c'est bien passé. Quand j'ai fait ma liasse, elle m'a dit bah ok, tu te sens prêt ou pas à rejoindre un groupe? Je fais ok, oui, allez, let's go. Pourquoi pas? Bah ouais, c'est ça, je me dis on verra bien ce que ça donne. Oui, c'est beau ça, Jester, je sais pas quoi. Jester quoi? Jester. Ouais. Ouais, c'est sympa. C'est joli. Ah non, ça va pas super vite. Et les guerres rétrogustants à 300 000. Ouais, celle de Tyler. Et pas de photo en plus. Si, y en a une. Et non, elle marche pas alors. Ah. Elle est blanche et noire. D'accord. 300 000. Un vrai. Bah ça va. Ça va. Oui, un vrai ça va. Full 370 000 et une comète rétrogustant. Full perf à 300 000, ça va. Hein. Tu l'as vu, c'est la 370 000 là, la van des machines. Ouais, mais je les ai pas les 370 000. Si je les avais, oui, mais je les ai pas donc. Y'a personne qui fait des prix sur cette. Y'a pas une banque qui fait des prix, quoi? Non, je crois pas. Faut que tu trouves quelqu'un pour te prêter l'argent et lui rembourser plus tard, quoi. Putain, ça, ce serait des trucs à faire. Ouais, j'avoue. Bon, maintenant, si t'es pas sûr d'avoir la thune, ça dépend des intérêts aussi, tu vois. À peine tu le fumes. Ouais. Ouais. Il rembourse pas, tu le tues. Non, mais nous, si on doit faire un prêt, tu vois. Ce serait chiant qu'on vienne mettre le nez dans nos comptes, quoi. Ah, oui. Tu vois, ça, je veux dire. Parce que bon, et même pour avoir un prêt, hein, ils vont regarder, ils vont faire bonjour monsieur, vous êtes chômeur, votre prêt vous le foutez au cul. Oui, c'est pas vrai. On mais toi, dire, tu... bah non, on est pas chômeur. Oui. Ouais, mais si, on est chômeur. Ça passera pas. On est chômeur, dans les faits, on est chômeur. D'ailleurs, je me suis dit, si un matin je viens, est-ce que je peux aller faire la Syrie incognito? Non, non, non. Pour recruter, putain. Et dommage. Je peux pas, non. C'est dommage, mais tu peux pas. Bah ouais. Bon, en même temps, imagine si on devait le bosser à la Syrie, bonjour la street cred. Hein. Déjà comme ça. Pour avoir des PM, hein, ça serait chiant. Ouais, ouais, bah pour ça on va faire les tours PM. J'ai vu tes docs rentrer, mais j'ai pas pu ressortir. Ouais, c'est en train de me saouler, moi. Ouais. Je vais aller acheter un. Alors. À la pharmacie, qu'on fasse ça ira plus vite. Ah, bah oui, je pense que ça ira plus vite. On va chercher des antibiotiques parce que. Ouais. On a beau avoir une demi-heure quand même, au bout d'un moment. Ouais. Au bout d'un moment, on se fait chier. Oh putain, ils abusent quand même. On se fait chier, c'est le cas de le dire.
Ah oui, ça grelotte, effectivement. De quoi? Elle grelotte la voiture quand je le décèle. Ah oui? Ouais. C'est quoi qu'il faut? C'est des antibiotiques, je suppose. Antibio, ouais. Tu veux je te prenne un truc? Non, non, c'est bon, je fais ce qu'il faut. Tac, tac, j'ai au moins un antidouleur, ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Putain, les antibiotiques, c'est presque automatique, au final. Ouais. C'est à quelle heure on peut les rendre? On peut reprendre? Je vais regarder ça. C'est 16h42. Normalement, on a pris à 12, donc à 42. Tu penses qu'on a le temps d'aller faire une aller-retour Bénise? Oui, on a le temps, vas-y. Ah oui. Au pire, on le prendra un peu plus tard, hein, tu sais. Faut mieux réparer la voiture. C'est vrai qu'elle commence à avoir une sale gueule. Hein, bon. Bah ouais. Et ça y est. Il y a un sale bruit quand même quand je décèle là. Ouais. Après, faudrait que je la blinde, mais. Elle est pas blindée du tout là? Non. Mais ça coûte 16 000 pour. Non, 30... ouais, 16 000 pour la blinder. Ou 18 000 pour la blinder 5. Et... Après, je voulais la blender 2, mais jamais trop pris le temps, j'avoue. Eh ben, on va pas faire des excès de vitesse. Non. Putain! Elle a du mal. Ouais, on dépasse pas les 170. T'as pris le radar là par contre? Là, ouais, là j'ai pris le radar, ouais. Ça fait chier. Mais t'es sérieux? What the fuck? C'est passé quoi là? Bah, je sais pas. Putain! T'es passé à côté de la voiture pourtant. Ben ouais. J'étais bien à côté. J'ai pas. C'est bizarre. Des fois, je comprends pas tout en voiture, il se passe des dingues. Ouais, il se passait un peu des dingueries. Attention au radar au bout du pont. Ah, oui, c'est vrai. Il faudrait jouer aussi pour prendre un véhicule 4 places au minimum, quand même. Parce que ouais. Dans tous les véhicules que je veux prendre, il y en a pas une qui est 4 places. Bah, moi pour l'instant, il y a pas de 4 places qui m'intéressent non plus, quoi, tu vois. Ah, oui, je me dis, une Shafter V12, ça peut être stylé en vrai. Faut savoir la conduire, la Shafter V12. C'est un peu particulier. Mais c'est stylé comme bagnole. Oui. Mais je me dis, en fait, c'est soit la Shafter V12, soit la Revolter, mais... La Revolter, c'est ouais. Trop cher. Je sais pas, elle coûte combien, la Shafter V12? 5 quelques mille, je pense. Un truc comme ah ça. Ouais? Ouais, je pense. J'ai plus trop les prix en tête, mais... Ok. Faudrait que j'aille voir. Franchement, en 4 places, je sais pas ce qu'il y a. Oh putain, ta mère, lui je l'oublie tout le temps. C'est pas grave, tant pis pour moi. Ah, c'est trop tard, de toute façon, il a été pris. Donc. Ah, oui, oui. Comment il a réussi à me prendre. Ah non. Comment il a été pris alors que la plaque a éclaté? C'est une bonne question, ça. Franchement, les radars ils sont performants. Il a flashé à l'avant, ce bâtard. Sûrement. T'as reconnu sur la photo, il a fait ça, c'est Bob. Ça, c'est Bob. C'est une poêle de carotte, c'est Bob. Nickel. Oh, hop là, pardon, monsieur. Nickel, là, c'est bon, c'est maîtrisé. Y'a quelque chose pris. Oh.
Oh, il y a une ici sport. Non, il repart pas. Raté. Dommage. Oh, l'ici sport, je sais pas où elle allait, mais on a failli faire un bisou. Là aussi, on a failli faire un bisou. Ouais, lui, il va me détester parce que je lui ai pourri sa grosse épée. En plus, c'était une voiture violette. C'est qui est violet? Je sais pas. Les Ballas. Nickel. Oh non, c'est peut-être pas eux. Hein. Oh, je sais pas. C'est une série. Putain, mais c'est pas là. Pas là, ici, à laquelle j'ai failli faire un bisou, ça? Je sais pas. Il ressemble. Bon, en soi, on l'a pas touché. On n'a pas touché, alors. Bonjour. Ah, c'est ça. Comment ça y est? Si comme Dark Vador. Il finit à réparer avec un œuf dans les mains. Là. Ouais, pas ouf. Hein. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Dark Vador à la boulangerie, tu sais ce qu'il te mène? De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dark Vador à la boulangerie, tu sais ce qu'il te mène? Non, je sais pas. 3 pains et 2 tartes tatin. Pain, 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 tartatin, tartatin. Oh là là. Oui. D'accord. Ça part sur ce genre de blague. Ce qui est bien, c'est que le monsieur du Bénizier a pas entendu. Au moins. Ah ouais, comme vous avez pas entendu ce qu'il a dit? Non, j'ai pas entendu. Ah là, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. C'est mieux pour la santé mentale. Ouais, c'est bien. Tonton, puis écoutez, ça parle fort, ouais. Ah ouais? J'entendais pas, moi. Ah oui, moi j'entends bien. Oh putain! Elle ressemble à ça quand elle est propre! Putain, mais elle est belle! Allez, bonne journée. Entends, bon courage. Putain, elle est belle quand elle est propre en fait, ça doit. Ouais, elle est sympa. Hein. Hop. C'est bon, tout va bien. Tout est maîtrisé. Allez hop. En retour. À la casa. Oui. Tiens, j'ai cru voir un truc traverser la voiture, mais non, ça va. Ah ouais? Oui. Oui, il s'est rien passé, t'inquiète pas. Une petite transmission quand même, ça ferait pas de mal, parce que elle a du mal, hein. Ouais. Regarde là. Elle veut pas. Elle veut pas repartir. Moi j'ai rien fait. Bah vas-y petit à petit. Hein. Oui. Moi je serais toi, je mettrais au moins un blindage 2, tu vois. Oui, mais ouais. Pour éviter de caler quand tu tapes. Maintenant je tape pas souvent. Non, mais, ça va. Par précaution, quoi, tu vois. Oui. Ça évitera qu'elle parte en gardiennage aussi si un jour elle est un peu trop éclatée. Oui, puis. Avoir. Quoi, au moins elle sera peut-être utile sur des CP, quoi, parce que. Ouais, ouais. Pour ouais. Le moment. De toute façon, normalement, t'as dû recevoir un virement là tout à l'heure. Enfin, ouais. Ouais, je crois que c'est tout à l'heure. Non, je crois pas, hein. Je crois que j'ai eu 30 000 toujours. Ah, putain, elle a dit qu'elle a fait elle a fait des pays normalement. Non, j'ai eu 30 000. Ouais, j'ai rien eu en fait. Ah ouais? Ouais, non. Je suis persuadé, quoi. Non, j'avais 32 000 la semaine dernière. Là, il me reste 27 000. Ok. Au prix, et en même temps, vu comment j'ai travaillé, ça m'étonne pas, j'ai rien. Ouais, bon. Maintenant, quand t'es là, tu bosses, tu vois. C'est pas comme si tu venais, tu tournais les pouces, quoi. Encore quand même. Ah oh bah. Ça s'est déjà vu, hein. Ah oui. Ah oui. Bah, ils sont partis, hein, mais. Mais ça s'est déjà vu, hein.
Ça craint ça quand même. Bah ouais. Et l'ami qui fait rien. Le truc c'est si on vient et qu'on taffe pas, bah on rentre pas l'argent quoi. Mais oui. Et après, hein, sur... Et après ça venait chouiner parce qu'ils avaient pas de thunes sur le compte quoi, tu vois. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, après, s'ils veulent des thunes, ouais, comme tu dis, il faut aller. Bah, faut taffer quoi. Oui, il faut aller voir. Mais c'est des gens qui sont plus dans le groupe. Hein. Oui. Au radar au bout du pont. Ouais. Cette fois j'y ai pensé. Ouais. Enculé je... Qu'est-ce que tu. Il s'arrête au milieu là d'un coup, j'ai pas compris là. Mais ouais, il s'arrête au milieu du pont lui. Ça va, j'ai rien. Nickel là. Bon, je crois pas en tout cas. Je suis pas descendu de voiture. Bon... Mais... En tout cas, il y a les deux phares, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Hein. Bon, les phares ça pète vite en plus. Donc... Ça me saoule quand tu prends genre une bosse, t'as tes phares qui éclatent. Qui éclatent, ah oui, mais ça. Vas-y, je te laisse prendre celui-là de go fast. Ah ouais. C'est quoi, c'est à 42, là il est 37, c'est bon. Nickel. J'ai même pas passé par là avec la voiture. Ouais, bah c'est pas ouf. Là. Oui. Moi, mais ça après, sera... j'ai pas... il y a des fois j'ai trop accéléré là, j'ai failli me retrouver dans le SHMS. Est-ce qu'on arrive, les anciens collègues? Ouais, c'est... ça sera mon dernier tu peux, après. Tu peux y aller même maintenant, je le ferai moi. Oh, non, je vais le faire, ça va. Mais ouais, non, après il faut que j'y aille. Ouais. J'ai besoin d'une petite douche, j'ai rendez-vous avec une de zèle. Aïe. Ah là. Normalement, si tout se passe comme prévu, dans une heure je reviens, nickel, pris comme un gardeau. On verra si tout se passe comme prévu. Si je reviens, je suis un peu bougon, faut pas demander pourquoi. Hein. C'est que le rendez-vous s'est mal passé. Et tu veux que je range la voiture, tu veux prendre la tienne? Ouais, tu peux, je vais aller déposer le sale. Moi. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'on est con, putain. Qu'est-ce que je fais? C'est à lui qu'il faut que j'aille parler. Ah ouais, mais 42, putain. On a encore le temps. J'ai oublié que c'était à 42, putain. J'étais déjà parti lui parler. Hein. Donnez une go fast, vite. Vite, Aiden, dépêche-toi. Putain.
Et donc, il est pas pressé. Pour trouver une go fast. Bah, lui, quand c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Ah ouais, hein, ouais. À la seconde près. Une horloge, le type. Bah, clairement. Tu sais, il doit avoir un petit truc sur son téléphone là. Une petite alarme. Il a toujours un chrono avec lui. Moi qu'on lui a pris, il relance 30 minutes là. Moi je pense qu'il a une petite alarme. Toutes les 30 minutes, il y a son alarme, elle sonne. Et il se réveille là. Il se dit ah, attends. Ah, il y a du boulot. Faut que je leur donne un point là, on va voir. On va voir là-bas, débrouille ça, allez, fais pas chier quoi. Oui. Mais t'imagines un jour ils mettent en place les big un truc genre big go fast ou un truc comme ça. Ah ouais. Genre tu dois mettre 200 kilos de weed à un endroit. Obligé d'aller en van livrer. Ah bah ouais, ce serait génial. Alors, tu vois, genre sur les docks. Ouais. Pour genre un container, un truc comme ça. Ce serait génial. C'est trop bien. Putain. Ou alors t'as Aiden qui t'envoie des pauses. Tu vois, genre tu fais un go fast, il t'en renvoie une, tu vois, ainsi de suite. Ah oui. Et du coup, t'es obligé de partir, genre avec, allez, sandwich, un truc comme ça, et tu fais du porte-à-porte, quoi. Bonjour, oui, bonjour, allez, bonjour, nickel. Bonjour, alors, vous, c'était 13 de weed, très bien. Porte suivante. T'arrives au PDP, bonjour. Ah non, pas vous, non. Bonjour, je vais remplir les saisies. Putain. Bonjour. Et mon patron il m'a dit qu'il fallait que je vienne récupérer un peu les saisies. Apparemment vous en avez trop. Allez. Oh putain, c'est 42 gros. Comment ça, Aiden? Hey Dan, c'est pas le coup. Allez, hey Dan, j'attends 43 parce que je suis gentil. Allez. Putain, tu as tout après rempli, oh. Bah ouais. T'es un boss. Faut aller vers où? Faut aller vers le point Q. Oh, pardon. Ok. Oh. C'est le bar là. Ouais, c'est le bar. Ok, je crois que c'est. Revérifie comment c'est noté, mais. Non mais je crois au-dessus. Il y a 1005. Je pense. Ouais, 1105. 1105 bar. On met ça quand c'est dans le bar. Ah oui? Ah ouais, bar. Ouais, je crois que c'est ça. Eh ben, je... Hop. Est-ce que sur la compta, j'ai mis que c'était un cours? Oui, nickel. Nickel! Et j'ai une reçoit un SMS, c'est. 555, Lulu, tu cherches un homme, mais un vrai, plus chaud que la braise, plus coquin que ton père. On a failli l'enculer. Ah ouais, on a failli faire un frontal!
Ah ouais, mais même nous, on aurait volé, hein, vu comment on l'aurait tapé, là. On faisait un saut par-dessus la troisième corde, hein, je pense. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai la ceinture. Bob. Ouais. Ouais, ouais, pardon, ça fait 20 minutes, ouais. Je parle dans ma barbe. Nickel. On a vraiment failli le taper fort, là, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça a fait peur, hein. Vu comment on l'aurait tapé, je pense, on aurait fait un saut par-dessus la troisième corde, on aurait appris à voler. J'ai regardé vite fait à côté de moi si t'étais toujours bien là. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai cru que t'étais passé par la fenêtre. Non, ça va, tout va bien. C'est devant ou c'est derrière? Ça a l'air d'être sur le... Non, c'est devant, j'ai rien dit. Ouais, tu peux te mettre là. Alors, vas-y, je vais se descendre. Oui. Faire ma manœuvre après. Ti-la-ta-ti-ta-ta. Bonjour, je regarde les cartes postales. Vous en avez des sympas? Non, tout va bien, c'est gentil. La tati, ta 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 ta. Allez, parfait. Passe une bonne journée, mamie, à bientôt. Hop, j'ai pris une carte postale pour mamie. Désolé. J'arrive pas à fermer la porte. Ah ouais. Y'a quoi comme dessin dessus? Eh, ben justement, y'a des C. Y'a des C. Elle sera contente, mamie. Elle aime bien les seins, mamie. Non, je sais pas, mais papy, lui, il aime beaucoup. Je vais pas tarder à aller prendre une petite pause aussi en vrai. Mais ouais, moi je vais prendre la petite pause, je vais aller voir la petite demoiselle. Oh là là. Rendez-vous dans le sud là. Charmeur, hein. Sur Eclipse Boulevard en plus, putain, c'est la première sur fois. Sur Eclipse je... Ah ouais, hein, sympa. Et il y a pas mal de petits restos, des trucs comme ça, je crois là-bas. Hein. Ouais, ouais, j'en connais deux trois. Mais je vais aller voir, je verrai bien. Si la soirée se passe bien, des fois on finira au tequila là. Petit karaoké au tequila là, let's go. Ouais, concours avec de shot de tech paf. 50 grammes dans le sang. Et concours de tech paf, la salière, c'est son nombril, nickel. Même si la dernière fois que j'ai fait des tech paf, c'est mal fini. Et oui, la dernière fois j'ai fait un des... peu éclaté. Ah oui, mais la dernière fois j'ai fait des tech. Oui. On va dire, c'était à Los Angeles sur une barre de plage. Bah, c'est bref. Je vois bien. Oui. Aïe aïe aïe. Alors, faut faire un peu de compta déjà. Go fast, ça c'est terminé. Compta, voilà. Du coup, on a 176 975 et on a 667. Voilà. Oui, nickel pour moi. Eh oui, c'est tout bon. Te laisse. Allez, repose-toi bien, Bob. Ouais, l'heure. T'inquiète, à tout. Hello, Ali, comment... Si c'est une petite main, tu veux jouer avec toi? Non, c'est pas une petite main, Bob, t'inquiète. Allez, ok. Allez, repose-toi bien. Oui. Immigrants, everywhere you look. You said it.
Aïe, aïe, aïe. Mesdames et messieurs, j'espère que ce live vous aura plu. Quand je vois tout ce qu'il y a là-dedans, je sais pas. Enfin bref. J'espère que ce live vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi. À bientôt. Courage à vous. Salut. Au revoir.